Les musulmans, tenez-vous prêts parce qu'on va vous fracasser la nuit. Là. Voilà. Je dis, votre religion est une religion de djihadistes. Donc, tenez-vous prêts, on va parler de ça. Les chrétiens sont des pervers, des arnaqueurs, des voleurs. Et c'est que le christianisme et l'islam est une religion de djihad. Des gens qui se font exploser pour tuer l'humanité. Donc on va en parler. Dieu est là-haut, Dieu est là, Dieu est là-haut. Maliki Zampanegre. Bonsoir mon frère. Basse Benito. Je ne suis pas un Mauritanien. Aïe olé, brûlez-vous, c'est mon frère. Il n'y a pas de sujet tabou avec moi complet. C'est de ça que les Africains ont peur, raison pour laquelle le peuple africain ne fait que s'améliorer de jour en jour. Les menaces et tout ça. C'est pas ça qui va m'empêcher d'en parler, hein. Je vais parler toujours. Si on veut regarder les menaces, c'est que rien ne peut avancer dans ce monde. Bon, nous allons interrompre la musique pour qu'on puisse venir sur le débat. Donc, je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Voilà, toutes les femmes, tous les hommes qui sont en ligne en ce moment, je vous salue et je vous demande d'attacher vos ceintures parce qu'avec complet, ça ne va pas. Ça ne va pas tarder. En tout cas, voilà, on ne va pas faire à peu près. Avec moi, on tape fort. Avec moi, il n'y a pas de midi 14. Donc, tenez-vous prêts. Tous les musulmans, je sais que leur cœur, vont les démanger. Voilà, la démangeaison va manger vos cœurs. Mais, c'est pas grave. Tenez-vous prêts. C'est pas grave. On doit en parler. On doit repartir sur les empires de l'Afrique. Et quels sont ceux qui ont fait la guerre? Quels sont ceux qui se sont fait exploser en Afrique? Et vous allez comprendre, les musulmans qui sont perdus, qui ne comprennent pas. Je vais vous rappeler. Je vais vous faire lavage de cerveau. Vous allez comprendre. Parce que les Arabes vous ont fait un lavage de cerveau, raison pour laquelle vous ne comprenez pas. Moi, je vais vous aider à comprendre. Comme ça, vous allez sortir de cette religion de djihad. Voilà, cette religion de gay, de pervers. Voilà, c'est une religion musulmane. Il n'y a pas musulman qui aime. C'est quelqu'un qui aime garçon, quelqu'un qui aime les petites filles, les petits garçons. Ce sont les musulmans. Ils sont gays, pervers. Et en même temps, en dehors de ça, ils ajoutent encore cette histoire de djihad. Donc, ce n'est pas des gens. Les musulmans, vraiment, c'est un autre monde. Eux, on ne sait pas comment. Et ils mentent aux gens que non, eux, ils adorent Dieu. Vraiment, Yako. Yako pour ce mensonge caractérisé. Alors, je vais regarder l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Oui, Dembélé Adams.
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mordon, appelez-moi Boum Boum, Kamari, deux os, laisse-moi mourir 5 heures, appelez-moi aussi le plein droit. Alors, pour commencer, j'aimerais faire une petite prière aux yeux de tous et toutes. Alors, nous remercions le grand maître de l'univers de tout temps, celui même qui a créé le monde, celui qui nous aide sur cette terre, celui qui nous donne toujours la santé, l'intelligence, celui qui nous oriente, qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Alors, nous remercions ce grand maître de l'univers et je demande à tous les Africains et à toutes les Africaines d'adorer ce grand maître de l'univers. Chacun n'a qu'à rester chez soi pour se concentrer dans la prière, pour pouvoir évoquer le grand nom suprême du grand maître de l'univers, car il est l'unique Dieu sur cette terre. Ce Dieu, il n'est pas islamique. Ce Dieu n'est pas chrétien. Ce Dieu n'est pas bouddhiste. Ce Dieu n'est pas rosicrucien. C'est un Dieu unique. Il n'a pas d'appartenance. Il est le véritable Dieu, car il est ouvert à tout le monde. Et il appartient à toute l'humanité tout entière. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta manière de penser, il est ton Dieu. Il faut l'adorer. En dehors de ça, j'aimerais remercier les esprits de mes aïeux qui me permettent d'avoir cette santé, qui me permettent d'avoir, oui, la persévérance, qui me protègent partout où je suis, qui me permettent d'être très intelligent, oui, d'avoir plusieurs années lumière sur mes compatriotes. Je remercie ces esprits de mes aïeux et je leur demande d'être toujours avec moi dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Mais je leur demande de toujours apporter les bons moments de mon côté. Apportez-moi le bonheur, la bénédiction, que ça soit à moi. Oui, je vous remercie et que le bonheur m'accompagne toujours là où je pars. Alors, nous venons à peine de finir la prière. Donc, nous allons entamer maintenant la vidéo. Et cette vidéo, elle va s'adresser aux musulmans de toute l'Afrique. Et les chrétiens de toute l'Afrique. Parce que moi, je me bats pour les Africains. Je ne me bats pas pour d'autres peuples. Oui, les autres peuples, il y a des gens qui peuvent se battre pour eux. Là, au début, j'ai commencé pour la Côte d'Ivoire. Mais là, vous comprenez, la lutte est partie très loin et donc la lutte s'élargit. Et aujourd'hui, nous sommes sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le plan religieux. Aujourd'hui, nous allons parler des religions. Mes frères musulmans, mes frères chrétiens, vous savez, chacun adore le Dieu de celui qui a eu l'influence sur lui. En Afrique, nous savons qu'il y a eu deux peuples différents qui sont venus en Afrique. Les Arabes, les Occidentaux. Les Arabes, ils ont pris l'islam, les Occidentaux ont pris le christianisme. Et par ricochet, subitement, ce sont ces deux religions qui ont pris de l'ampleur. C'est-à-dire ceux qui nous ont colonisés, leur religion qu'ils ont pris, c'est leur religion qui ont pris de l'ampleur en Afrique. Que peut vous dire par là? Les gens qui sont venus nous coloniser, les Arabes là, ils sont venus nous coloniser, on a pris leur Dieu. Les Occidentaux sont venus nous coloniser, on a pris leurs dieux. Et si les Chinois venaient avec leurs bouddhistes, on allait aussi prendre ça. Si les Japonais venaient avec leurs dieux aussi, on allait prendre ça. Si d'autres venaient avec leurs dieux, on allait prendre ça. Et on va dire, c'est ça l'unique Dieu. Vous savez, ça, on appelle ça l'aliénation profonde. Et c'est grave. Si les Arabes ne venaient pas, on n'allait pas être musulmans en Afrique. Si les Occidentaux ne partaient pas là-bas avec leur christianisme, on n'allait pas être chrétien en Afrique. On allait être ce que nos parents étaient. Mais malheureusement, ils sont partis là-bas, ils ont débarqué là-bas et ils ont apporté leur religion. Eux, malheureusement, nous avons accepté leur religion, nous avons adopté leur religion, nous avons épousé leur religion et aujourd'hui, nous sommes devenus des esclaves de leur propre religion. Ceux-mêmes qui ne croient pas à leur religion, les Africains, ils veulent, hein, eux-mêmes, ils sont plus musulmans que même les Arabes. Africains sont plus chrétiens même que l'homme occidental. Vous trouvez ça comment, si ce n'est pas de l'aliénation? Prenons les empires de l'Afrique. Il y a eu plusieurs empires. L'empire du Mali, l'empire du Ghana, l'empire Soso, l'empire Songhai. Mali, l'empire du Ghana, c'était Kumbi Salé. Non. L'empire du Ghana, c'était quoi? Capitale. L'empire du Ghana, c'était capitale, c'était le Ghana. L'empire du Mali, c'est capitale, c'était Kumbi Salé. Alors, ils ont islamisé cet empire. L'empire du Mali a été islamisé.
Et ceux qui sont venus là-bas pour apporter la religion musulmane à l'empire du Mali, ils ont fait quoi? Mais ils ont versé le sang. Ils ont versé le sang des Noirs. Les Noirs qui vivaient dans cet empire. Ils ont versé le sang. Et c'était les Almoravides. Les Almoravides sont partis au Mali. Je ne parle pas de votre pays Mali là. Je parle de l'empire. Et l'empire du Mali partait jusqu'au Mauritanie. Ça venait jusqu'au Ghana. Tout ça là, ça formait l'empire du Mali. L'empire Soso, c'est l'ancien Niger. C'est le Niger qui est là, qu'on appelait l'empire Soso. Jusqu'à ça partait de l'autre côté. Vous comprenez? Les Almoravides sont partis là-bas pour verser le sang. Ce sont eux qui ont islamisé l'empire du Mali. Mais vous savez, les Almoravides, ce sont des djihadistes. Donc, quand les gens ils font le djihad en islam, en religion musulmane, et puis ils se font exploser, ils ne sont pas musulmans. Non, ils sont musulmans. Parce que depuis le début, ils ont été des djihadistes. Ils ont été, et ces djihadistes-là, ils étaient des musulmans. Ils faisaient le djihad au nom de l'islam. Ils ne faisaient pas le djihad au nom d'une religion quelconque. Ils ne se faisaient pas exploser. Ils ne tuaient pas les gens. Ils ne coupaient pas le bras des gens depuis le temps des temps. Depuis le début, quand l'islam est parti en Afrique, ils ne tuaient pas les gens au nom d'une autre religion. Ils tuaient les gens au nom de la religion islamique. Et c'est dans ça les Africains ont accepté ça. Donc c'est dans la violence. C'est dans le djihad que les Africains ont épousé cette religion. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que c'est une religion de paix. Une religion de paix qui arrive sur un territoire d'une manière violente. Et vous allez nous dire, vous allez nous faire croire que c'est une religion de paix. Et que cette religion serait arrivée en Afrique sur un plateau d'or. Arrêtez, ne mentez pas aux gens. Ne mentez pas aux gens. Cette religion a été toujours violente. Elle a été toujours violente, même depuis la création de cette religion. Dans les pays arabes, ça a versé toujours le sang. Cette religion a versé le sang au Moyen-Orient. Ça a traversé les frontières pour venir verser le sang en Afrique. Et ça continue toujours de verser le sang. Et vous allez nous faire croire que c'est une religion de paix. Votre prophète, n'est-ce pas, il ne s'est pas battu. Lui-même, il a versé le sang des innocents. Soit disant que non, ils doivent accepter. Allah, comme leur créateur, ils doivent accepter le message du prophète Mohamed Salah. Mais votre prophète Mohamed là, lui-même il a tué, il a fait la guerre, il a tué des gens. Et vous allez nous faire croire que c'est une religion de paix. Ou lui-même le messager était tueur à gage, était un assassin pur. Et vous allez nous dire, cet assassin, ce tueur, il est messager de paix. C'est un prophète de paix qui annonce la paix, qui annonce la bonne nouvelle de Dieu. Mais vous prenez les Africains pour quoi? Vous nous prenez pour qui? Votre propre prophète qui a tué, qui est un vrai assassin, un vrai djihadiste, un vrai assassin. Ce prophète, mais c'est un assassin, un meurtrier qui a versé le sang des milliers d'innocents partout, je dis partout dans le monde. Parce que votre djihad n'a pas commencé au Moyen-Orient seulement. Vous avez colonisé les Européens. Les Arabes, ils ont été les premiers à coloniser les Occidentaux. Ah oui, mais ceux qui ne savent pas, je vous le dis. Les Arabes ont été les premiers à coloniser les Occidentaux. Mais vous savez, c'est dans le sang et la souffrance. Ils ont fait subir des atrocités sur l'homme blanc. Les Arabes ont colonisé l'homme européen. Ils ont colonisé l'homme européen. Ils ont versé leur sang. Au nom de quoi? Que l'homme européen n'a qu'à accepter l'islam. Ils ont fait les guerres avant la plus grande mosquée du monde se trouvait en Espagne. Pour ceux qui ne savent pas, l'Espagne, là, c'était la plus grande mosquée du monde se trouvait en Espagne. Recherchez, c'est là que ça a déclenché la guerre entre les chrétiens et les musulmans. La première guerre entre les chrétiens et les musulmans, là, c'était en Europe, ça s'est passé en Europe. C'est suite à ça qu'ils ont chassé tous les Arabes qui étaient en Espagne. Ils les ont chassés et puis ils sont partis. Quand les catholiques se sont révoltés contre eux, il y a eu un affrontement violent. Ça versait assez de sang. Et ils ont fermé leur mosquée. Donc, les habitants d'Espagne, il y a beaucoup d'Arabes. Et ceux qui sont restés, les Arabes qui sont restés, on leur a demandé, soit vous devenez chrétien et vous restez ici, soit vous restez musulman, vous partez. Beaucoup ont pris la décision de se convertir au christianisme plutôt. Et ils sont devenus chrétiens.
Donc, quand vous voyez les Italiens, vous voyez les Espagnols, est-ce que leur beauté, ils sont jolis, non? Vous voyez les filles arabes sont belles. Vous voyez les Espagnols sont jolis. Les Italiens. Et vous voyez leur manière d'être. C'est différent des autres. Oui, c'était les anciens arabes qui étaient là-bas. Est-ce que vous comprenez? Espagnol, Italie, c'était les anciens arabes. Vous comprenez? C'était les anciens arabes. Et c'est là qu'ils ont pris une partie du Maroc où quand les étrangers, les Africains, ils sautent au grillage, là où ils descendent, là. Ça, c'était l'Afrique qui arrivait là-bas. Mais tellement ils ont islamisé, ils ont combattu l'Afrique, ils avaient pris une partie de l'Afrique et ils ont mis ça au sein de l'Espagne. Donc, ce sont eux qui ont aidé l'Espagne à prendre assez de territoire. C'était les Arabes. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas vrais Espagnols. Mais eux, ils avaient envahi les vrais Espagnols. Donc, les Arabes, au nom de la religion, ils ont fait assez de guerres. Ils ont versé le sang humain des Occidentaux. Et ils ont été les premiers à débarquer sur le territoire africain dans le but d'islamiser et enseigner la religion musulmane aux Africains. Ils ont fait un siècle en train de maltraiter les Noirs. Je dis un siècle en train de maltraiter les Noirs. Ils versaient le sang des Noirs en obligeant les Noirs à accepter Mohamed Salala parce que Dieu l'envoyait. D'après eux, c'est Dieu qui envoyait Mohamed. C'est le messager de Dieu. Et donc, tout ce qu'il dit, c'est Dieu qui lui dit ça. C'est Dieu qui lui révèle toutes les paroles qu'il prenait. C'est Dieu qui lui donnait. Donc, il était le messager éclairé de Dieu. Alors, quiconque en acceptant Mohamed est un homme mort. Et ils ont tué des milliers de personnes. Ce n'est pas en Afrique que ça a commencé. Depuis le Moyen-Orient, il y a eu la guerre des musulmans de l'islam. Parce que votre prophète Mohamed, il voulait imposer cette religion à tous les Arabes. Non seulement ça a mené une guerre au Moyen-Orient entre les Arabes. Même Arabes, ça, on n'appelait pas ça Arabes. On n'appelait pas. C'est l'Arabie Saoudite qui a donné. Parce que l'Arabie Saoudite a incarné cette religion. C'est du nom Arabie Saoudite que le nom arabe est venu. Vous comprenez? Sinon, avant, ils ne s'appelaient pas les Arabes. Ils avaient leur truc, leur nom. Mais c'est comme Arabie Saoudite a pris l'incarnation de l'islam. Alors, ils ont décidé de donner le nom d'Arabie Saoudite au nom. Ça réfère maintenant tous les militaires, c'est-à-dire tous ceux qui sont blancs. Comme les Arabes, ils ont décidé de dire, bon, ce sont les Arabes. Voilà d'où est sorti le nom arabe. Parce que l'Arabie Saoudite a pris le flambeau d'influencer tous ceux qui adoraient l'islam, qui faisaient partie du Moyen-Orient. Voilà comment ils ont instauré cette histoire d'Arabes. Donc la guerre a commencé au Moyen-Orient. Ils se sont bagarrés, ils se sont entretués là-bas. Même votre prophète a été chassé là-bas. À un moment donné, il avait fui. Il est parti en Jordanie, je ne sais pas, Jordanie ou bien Yémen, pour se réfugier là-bas. Sa famille était partie en Éthiopie, tellement ils aimaient pas là. Et il est allé recruter des gens pour venir faire la guerre à d'autres personnes qui avaient refusé de croire à son message. Et il les a assassinés. Quand il est revenu, il a assassiné beaucoup de personnes. D'ailleurs, sa mort, beaucoup ne savent pas sa mort. Il a été tué par une petite fille, par une femme, un truc juive. Raison pour laquelle, avant sa mort, il a dit, les juifs sont maudits, ils sont des rats. Et que, quel que soit où un arabe va voir un juif, il n'a qu'à le tuer. Il a été tué par une femme juive. Donc, vous ne savez même pas tout ça. Vous ne savez même pas tout ça. Cette religion est une religion de mort, est une religion terroriste, est une religion de djihadisme, est une religion sanguinaire, est une religion de barbarie. Ce n'est pas une religion de paix. Peuple africain, ce qu'on te fait croire que cette religion est là pour la paix, jamais, jamais. Regarde tous ceux qui adorent cette religion, ils sont des barbares, ce sont des sanguinaires. Va, tous ceux qui disent que c'est une religion de paix, va devant un. Va devant, je dis un seul musulman, va devant lui pour dire ton prophète est un djihadiste. Tu vas voir sa réaction. Il va prendre machette pour te découper en deux. Ça veut dire quoi? En un mot, tout simplement, le mot paix est devant. Mais ce qui est caché derrière là, non. Ce qui est caché derrière là, ce n'est pas paix. C'est la fureur de cette religion. C'est le comportement moribond de cette religion. Oui, ce sont les actes méfaits de cette religion. Il va te découper en deux. Et il va dire son prophète lui a demandé de le faire. Et que c'est écrit dans le Coran.
C'est une religion à deux, hein? À deux faces, à double face. Il va te prôner la paix ici. Oh, il y a la mort derrière. Ta bouche dérape, il te tue. Et quand tu lui dis, il dit non, son prophète lui a demandé de le faire. Voilà ce que c'est que la religion musulmane. Faut pas, ils vont vous braquer que c'est une religion de paix. Les Almoravides dans l'état des djihadistes, ils ont été les premiers qui ont commencé à conquérir les empires africains. Et ils ont tué les Africains. Ils ont fait le djihad en Afrique. C'est ceux-là qui vous ont poussé à accepter la religion. En complicité avec certains résistants africains, les Samori Touré. Alors, et vous allez venir devant nous pour dire que c'est une religion de paix. Et regardez les musulmans, ils sont des gays. Je dis bien les musulmans, ceux-mêmes qui ont les longues barbes, ce sont des vrais gays, ces musulmans. Je dis bien, ce sont des vrais gays, des pervers qui couchent avec les enfants. Ce n'est pas des humains. Ils mettent la religion, je dis, c'est une religion en double face. L'autre face, on va te parler de paix. Pendant ce temps, l'autre face est cachée. Et l'autre face, il se trouve la mort. C'est-à-dire, quand l'autre te blague, lui là, il vient avec le bâton de la mort pour t'assommer avec la mort. Ce sont des gens pareils. Quitte dans cette religion, mes frères et sœurs. Peuple noir, quitte dans cette religion. Imaginons que les musulmans n'avaient pas débarqué en Afrique. Est-ce que les noirs allaient devenir musulmans? C'est la question. Si les arabes n'avaient pas dominé l'Afrique et qu'ils n'avaient pas colonisé l'Afrique, est-ce que vous alliez devenir des musulmans? Non, je ne pense pas. Si c'était les chinois, on allait devenir des bouddhistes. Et non, on allait encore dire que le Bouddha, c'est la religion parfaite de Dieu. On allait le dire parce que tout simplement, les Chinois nous ont colonisés, ils nous ont imposé leur religion. On allait défendre la religion bouddhiste. Mais oui, et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Si les francs-maçons avaient colonisé l'Afrique et qu'ils imposaient la franc-maçonnerie aux Africains, on allait dire, oh, la franc-maçon est la secte la plus aimée de Dieu, la secte, la bonne secte de toutes les sectes. Et on allait protéger ça. Oui, tout simplement parce qu'ils nous ont colonisés et ils nous ont imposé cela. C'est ça. Dieu n'a pas envoyé ces voyous-là. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Dieu n'a pas envoyé qui que ce soit d'aller verser le sang en son nom. Dieu qui est tout puissant. Dieu qui peut tout. Qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est ce Dieu-là qui dit, allez-y tuer les gens en mon nom. Mais non, c'est que ce Dieu, il est incapable. Ce Dieu, il est puissant. Logiquement parlant, vous-même, vous avez des cerveaux. Quand toi, tu es un être humain, tu dis tu peux tout et que tu as tout pouvoir. Rien ne peut t'échapper. Tu contrôles l'humanité tout entière. Rien ne peut t'échapper. Et tout se fait par ta volonté. Alors, mon frère, si la personne ne croit pas en toi, puisque tu as tout pouvoir, il suffit de faire un petit geste ou bien il suffit de faire un petit miracle dans la vie de la personne et puis la personne s'ouvre à toi, la personne croit en toi. Est-ce que toi encore qui es omnipotent, qui peut tout, tu as tout pouvoir omniscient, toutes les sciences de ton côté, oui, omnipotent, tu es partout là, est-ce que tu es obligé d'envoyer des gens pour dire ceux qui ne croient pas en toi, ils n'ont qu'à les tuer? C'est que tu n'es pas Dieu, tu es incapable de changer. Un être humain qui a sa position, qui est incapable de changer sa position sur laquelle il est pour l'orienter sur une autre position. Si tu n'es plus un dieu, tu es un voyou, tu es un vendeur d'illusions. Donc le dieu là, il n'était pas un dieu. C'est un incompétent, un incapable. C'est un incompétent. Donc je pense que ce que je dis là, quelqu'un qui est logiquement parlant, est sensé, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui raisonne, il va comprendre ce que je dis. Si toi, je prends un exemple, tu as la magie, et à travers ta magie, tu peux changer la vie de quelqu'un. Et ton enfant est têtu, il ne veut pas, il n'écoute personne. Et toi, tu as tout pouvoir. Je dis bien, tu as tout pouvoir, rien ne peut t'échapper. Et ton enfant, il est têtu, il prend une autre voie. Est-ce que tu ne vas pas faire un petit truc et puis ton enfant, c'est-à-dire sa position sur laquelle il était là, est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose? Oui, sans même porter main à ce dernier là, pour que ce dernier change d'avis. Mais tu peux le faire si tu as tout pouvoir. Mais si tu es incapable de le faire, et pour cela tu envoies des gens pour dire non, qu'à tuer ton enfant, s'il ne veut pas accepter, il n'a qu'à le tuer, c'est que toi-même tu es un vendeur d'illusions, c'est que tu es incapable, tu es incompétent. Et donc, il ne faut pas mentir aux gens. Et c'est ça, ces religions fait. C'est comme ça, ces religions fait. Quand vous voyez aujourd'hui, les Occidentaux, ils tuent les Arabes au Moyen-Orient, mais c'est la vengeance.
C'est la vengeance, mes frères. Non seulement ils se battent pour le pétrole, mais derrière le pétrole se trouve aussi la vengeance. Parce que les Arabes, hier, les avaient maltraités. Les Arabes les avaient maltraités. Et pourquoi ils ne veulent pas que les Arabes gagnent des armes de destruction massive? Parce qu'ils savent que les Arabes avaient fait l'esclavage. Et que c'était l'esclavage est venu du côté des Arabes. Et donc, si ceux-là, ils ont une arme, ils vont vouloir encore recoloniser le monde. Et ils vont déclencher une guerre. Parce que ce sont des gens, pour déclencher une guerre, ils ne tardent pas. Ils vont déclencher des guerres au nom de l'islam. Donc voilà pourquoi on les mate à longueur de journée. On ne veut même pas qu'ils gagnent. On ne veut même pas qu'ils aient au moins des états forts. Voilà le problème des Occidentaux. Si vous ne comprenez pas ça, c'est ça qui est là. Et c'est ça leur mission. Raison pour laquelle ils déstabilisent tous les pays arabes. Pour empêcher les Arabes d'être des états forts. Parce que ce sont des barbares. Au nom de l'islam, ils peuvent tuer n'importe qui. Et ils vont dire, c'est Allah qui leur a demandé de faire ça. Et vous allez nous dire, ce sont des religions de paix. Merde à la fin. Religion de paix. Une religion qui ne prend aucune paix. Une religion, quand vous regardez dans le Coran, mais tout est rempli de haine. Des phrases qui recommandent aux fidèles aux musulmans d'aller tuer. D'aller tuer. Et puis ils appellent ça légitime défense. Moi, ça va toujours. Quoi te coucher, tu vas beaucoup de péché. Mohamed est un barbare, Jésus est un voyou. Mais Mohamed, c'est un assassin. Si on dit le prophète qui a tué, d'après le. Mais Mohamed est le numéro un. Parce que lui, il a tué tout un peuple. Il a versé le sang des milliers de personnes. Donc, si on devrait condamner des gens qui ont commis crime contre l'humanité, Mohamed allait être le premier à être sur la liste. Il allait être numéro un. En tant qu'un être humain qui a tué assez de personnes. Ce que les Américains ont fait à Nagasaki et Hiroshima, ces deux villes japonaises sur lesquelles ils ont largué deux bombes atomiques, ils n'ont rien tué. Ceux qu'ils ont tués, Mohamed, c'est qu'il a tué. Mais il a tué des milliards de personnes sur cette terre. C'est un vrai criminel, ce dernier. Et c'est celui-là, vous allez dire, Dieu envoyé. C'est celui-là qui est votre prophète. C'est lui qui est votre miroir. C'est lui qui est votre, je ne sais pas, votre photocopie. Et c'est lui, vous regardez pour prier. Mais vous priez le démon. Quelqu'un qui est rempli de sang. Quelqu'un qui a tué des gens. Le sang humain est rempli dans ses habits. Et c'est ce dernier-là que vous partez prier. Mais vous foutez de la gueule de qui au juste? Chez un peuple noir, il faut quitter derrière ces barbares. Mohamed est-il noir? Il n'est même pas noir. C'est un petit arabe à une longue barbe djihadiste qui a tué des milliers de personnes, qui a commis des crimes ici-bas. Peut-être si l'enfer existait, il allait être en enfer. Aujourd'hui, je vous parle. Malheureusement, il n'y a pas d'enfer. Si l'enfer existait, il allait être le premier à prendre le billet d'avion de l'enfer. Parce que lui, cette dimension en enfer. Quelqu'un qui souffre en enfer, c'est ce dernier-là que vous adorez. Mamadou Sourila, mais attendez, l'arabe est devenu ta langue. Si il ne t'avait pas colonisé, tu savais comment prononcer un mot arabe. Tu connaissais comment prononcer un mot arabe. C'est parce qu'ils t'ont colonisé et ils t'ont dit de parler leur langue. Il faut prier dans leur langue. Et toi aussi, bête que tu es, tu pries leur langue, tu pries dans leur langue en soi disant que non, Dieu il comprend l'arabe. Regardez, les musulmans, ils ne font pas autre prière. Quand ils partent, il n'y a pas un musulman qui va prier dans une autre langue quand il est dans une mosquée. Quand tu pries dans une autre langue, ils disent que Dieu il n'attend pas. Dieu ne comprend pas ta prière. Il ne va pas exaucer ta prière. Il faut prier en arabe. C'est là qu'il comprend. Voilà un Dieu qui comprend une langue. Un Dieu qui comprend une langue. C'est un Dieu fainéant. C'est un Dieu voyou. Un Dieu incompétent. Un Dieu illégitime. Un Dieu qui parle une seule langue. Pour parler, il faut prier en arabe. Pour lire, il faut lire en arabe. D'autres, ils ne savent même pas lire en arabe. Ils ne savent même pas parler arabe. Et puis, ces prières, ils font comme ça. N'importe quoi. C'est l'idolâtre. Va tuer les Africains. Hein? Comment vous pouvez adorer l'ancêtre de d'autres personnes? Et quand on vous parle, non, ça date de trucs, plusieurs années. Plusieurs. Mais attendez, vos parents aussi sont morts. Il y a plusieurs années de cela.
Même ceux qui lisent la Bible, votre Bible dit Moïse a été initié par les pharaons. Les pharaons que le démon utilise, vous avez dit les démons utilisaient les pharaons. Maintenant, votre prophète que Dieu a envoyé là-haut, on dit c'est Pharaon qui l'a initié. Et il lui a transmis son pouvoir. Et après, pour arranger ça, on dit non, Dieu a sauvé maintenant Moïse. Après avoir fini de recevoir le pouvoir des pharaons, Dieu l'a sauvé. Regardez-moi ces bêtises-là. Toi, on dit tu es sorcier. Hein? Quelqu'un dit toi, tu es sorcier. Tu es le malfaiteur. Et il y a un qui est le prophète bien-aimé de Dieu. Et mais il est incapable, il est impuissant. Et donc, il a besoin de toi, ta bénédiction. C'est-à-dire, il a besoin de ta force, de ton pouvoir pour régner. Et toi, maintenant, c'est toi qui lui dis, viens, je vais t'initier. Là, tu vas régner partout. Et il part, tu l'inities. Après avoir fini d'obtenir l'initiation, alors il sort, il dit, c'est Dieu qui l'a sauvé. Et puis, il part. Et il a reçu ta bénédiction. Votre Bible le dit. Votre Bible confirme que votre prophète, Moïse, il a été initié par les Égyptiens, les pharaons égyptiens, dans le temple, dans cette histoire de pyramide là. C'est là-bas qu'ils l'ont initié. Vous comprenez quelles sont ces manières? Et c'est ceux-là aujourd'hui vous condamnez. Vous qui êtes là, Dieu de Moïse, là, mais Dieu de Moïse, ce sont les pharaons, mes frères. Parce que Pharaon les prenait comme son Dieu. Hein. Il partait en bas d'eux, il donnait le pouvoir à Pharaon. Il donnait le pouvoir à Moïse. Il donnait le pouvoir à Moïse. Donc, Moïse croyait au Pharaon. Maintenant, c'est vous qui êtes là. Vous êtes qui? Pour dire que les Pharaons sont des démons. Pendant ce temps, votre prophète, en qui vous reconnaissez Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, eux-là, ce sont les Pharaons qui les ont initiés. Bande de lâches. Lisez un peu. Faites des recherches et vous allez comprendre le mensonge bien enveloppé des Occidentaux et des Arabes barbares. Ouais, Safroulaï, Mamadou, Osouroulaï, ça c'est quoi ça? Des mots arabes que vous ne maîtrisez même pas, vous priez là-dedans. Vous priez là-dedans. À cause des trucs, à cause de l'islam, vous êtes sales. Les musulmans, ils se lavent pas, voilà des gens. Ils vont travailler, sueur pour sueur, parce que leur religion, hein, leur a interdit de se laver. Ils vont prendre, c'est ridaka, l'eau remplie là-dedans, ils vont se laver les jambes. Vous ne savez pas que ça, c'est coutume des Arabes. Avant, là, il n'y avait pas l'eau dans le désert. Ils n'avaient pas l'eau. Donc, pour gagner l'eau et se laver, pour prendre un bain, c'était difficile. Donc, ils se battaient pour pouvoir gagner au moins un seau d'eau. Et le seau d'eau, c'était vraiment énorme pour eux. Alors, ils étaient obligés de prendre les séries d'Aka ou bien prendre dans des gobelets pour se laver, dans des calebasses pour se laver les pieds. Laver les mains, laver leur visage pour prier. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Avant, dans les pays arabes, il n'y avait même pas d'eau. C'était le désert. C'était des nomades. Quelqu'un qui est nomade, qui se balade de désert en désert, qui attache, il va gagner l'eau où pour se laver. Voilà pourquoi ils se lavaient les pieds. Aujourd'hui, ils ont gagné l'eau. Aujourd'hui, ils sont là. Ils vous ont transmis ces bêtises-là. Vois les noirs. Vous êtes noirs déjà. Vos peaux sont sales. Et c'est vous qui prenez ces ridacs. Au lieu de vous laver, ils puent. Et ils sont dans des boubous blancs. Boubous-là même, ils te dépassent au deuil là même. Ça te donne en sinusite. Mais quelles sont ces manières? Quelles sont ces manières? Vous ne lisez pas, vous ne cherchez pas à comprendre. Pourquoi ces gens-là, ils prenaient ces ridacs pour se laver les pieds? Vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est Dieu. Montrez-moi le passage de votre Coran qui dit il faut se laver les pieds hein, avec ces ridacs. Comme ça, Dieu, il t'écoute. Bande de lâches. Même si ça existait, ce sont les Saoudiens qui ont mis ça là-dedans. Pour leur business. Bande de lâches. Il y a l'eau chez vous. Prenez l'eau. Vous allez vous laver. Non. Messieurs, mesdames. Prenez série Dakar. Toi, tu es déjà femme. Tu es déjà femme. Tu as besoin de la propriété. Non, madame. Parce qu'elle suit l'islam. Elle ne veut plus se laver. Tu prends série Dakar. Mais femme doit se laver au moins deux fois par jour. Je dis bien deux fois par jour, matin et le soir, elle se lave. Elle est bien parfumée et elle part. Quand elle voit son homme attiré, il est content. Il lui fait bien amour. Il est heureux. Il sait que sa femme est propre. Mais toi, matin, tu ne t'es pas lavé parce que l'islam t'a dit il faut prendre ces ridaka. Tu as lavé. Je ne sais pas où tu dois laver.
Et tu mets encore boubou, tu fermes tes yeux. Tout est fermé. Sueur coule sur toi. Là où sueur ne devrait pas partir, ça part là-bas. Tout, c'est-à-dire odeur est remplie partout. Tu reviens encore le soir, tu prends ces ridacs, tu fais, au lieu de faire, non, madame ne fait pas, la religion te rend sale. Et quand ton mari va te laisser, mais oui, il va te tromper parce que tu es sale. Ta religion t'a demandé d'être sale. Les Arabes, ils prennent leur sale comportement pour venir vous imposer ça. Et vous êtes là-dedans, bêtement, sauvagement. Vous suivez? Je demande à tous les hommes qui ont ces femmes chez eux à la maison de les chasser. Parce qu'on ne peut pas garder des saletés chez soi à la maison. Il y a l'eau, prends l'eau, va te laver. Non, tu veux faire le silo des Arabes. Comment ça? Tu penses que ton mari, il va rester là pour sentir ton odeur. Il va mourir très tôt. Mais non, à un moment donné, il faut mettre fin à ça. Une femme doit être propre. Et vos histoires de série Dakar là, enlevez ça devant les gens. Les Noirs, ils ne se lavaient pas série Dakar. Les Noirs, il y a des fleuves, des rivières. Chez nous en Afrique, il y a l'eau abondamment pour se laver, pour être propre. Même si tu n'as pas chaud d'eau chez toi, tu peux aller dans une rivière, tu plonges là-dedans, tu te laves avec ton éponge ou bien quelque chose. Et tu es propre. Les Arabes quittent là-bas chez eux parce que c'était des nomades, des gens qui se baladaient dans le désert, dans le Sahara. Il n'y avait pas d'eau. Donc quand ils gagnaient un peu d'eau, souvent même c'était les chameaux, les dromadaires qui tuaient. Et puis dans les poches de ces animaux, il y a l'eau. Et ces eaux-là, ils prennent ça, ils mettent ça dans les seaux et ils se baladaient avec. Et quand ils sont trop fatigués, ils prenaient un peu, ils lavaient leur visage, ils lavaient leurs bras, ils lavaient leurs pieds pour prier. Voilà ce que c'était ces gens-là. Et vous, ils vous ont donné ce qu'on... Aujourd'hui, eux, ils se lavent là-bas et c'est vous qui êtes devenus sales. Comment le peuple noir est? Allez-y là-bas, eux, ils se lavent. Mais là, les noirs, ils sont devenus sales. Ils ont transmis leurs anciens comportements, leur saleté, là, ils vous ont donné. Eux-mêmes, ils sont devenus propres. Vous êtes sales et vous êtes là-dedans. Quand on veut vous instruire, on veut vous cultiver, c'est vous qui menacez les gens. On va te tuer. Tuez-nous, mais on va vous parler. Vos menaces, on ne peut pas nous faire reculer. On va vous dire le bête, c'est-à-dire la vérité. Abat les femmes sales. Tu es sale, on te chasse. Tu ne mérites pas un foyer. Si c'est ton islam qui t'a demandé d'être sale, demande à ton prophète de t'épouser. Parce qu'un homme normal ne peut pas épouser une femme sale. Merde à la fin. Aminata. Il faut avoir un peu de retenue. Là, j'y connais. Quelle retenue? C'est, moi, il n'y a pas... J'ai dit ici, là, quand tu viens écouter ici, il n'y a pas de sujet tabou. On tape tout sur la table. On vous dit... Parce que c'est ça. Un peu de retenue, raison pour laquelle d'autres ne veulent pas entendre la vérité. Ici, là, on dit tout. Si c'est rouge, on dit c'est rouge. C'est vert, on dit c'est vert. Comme ça, là, quand tu quittes ici, c'est bien rempli. Tes oreilles sont bien remplies. Tu vas aller... rencontrer ce que tu as écouté. Vous comprenez? On n'est pas ici là pour caresser les gens. On n'est pas ici pour caresser. Votre prophète est un djihadiste, tu es un assassin. Lisez même dans votre truc au Coran. Ils vont vous dire la vie de votre prophète. Lisez un peu. Prenez, même si tu l'appelles, prends Google, lis la vie de ton prophète. Ce dernier, il n'y a pas plus criminel que lui. Celui-là, non, les gens qu'il a tués, on ne peut pas les compter. Un criminel dernier. Et si on veut Ben Laden, il n'a rien fait. Ben Laden, non, lui, il n'a rien fait. Ben Laden, c'est un petit. C'est un petit devant votre prophète. Mais il est le numéro un de tous les criminels du monde, de l'humanité tout entière. Ce dernier, un criminel, non. Si on veut compter, on veut classer les criminels. Il prend la première place. Ah oui, et c'est tout à fait normal. Il prend la première place. Place. Ah, tu connais sa vie, pourquoi tu le suis? Si on te disait de suivre Ben Laden, tu allais le suivre? Non, tu n'allais pas le suivre parce que les médias l'ont dénigré. Mais imaginons qu'une future génération, on fait un livre sur Ben Laden pour dire Ben Laden,
Oui, voilà, voilà, il tuait les gens parce qu'il luttait pour une cause, il était bien, ceci, cela. Il y a des gens qui vont épouser son idée pour dire c'était, il est notre guide, c'est lui qui a commencé le combat, voici son passé. Et pourquoi? Parce que selon les Écritures, ce qu'ils vont écrire sur lui, et les Écritures, si ça va dans le bon sens pour dire, il menait une bonne cause. Même s'il a tué des gens, il menait une bonne cause, donc suivez-le, continuez son combat. Beaucoup vont dire Ben Laden est leur leader. Mais oui! C'est selon l'apologie que les gens font de la personne. C'est à travers ça que les générations futures pensent que cette dernière était une bonne personne. Hitler, est-ce que toi tu peux t'arrêter pour dire non, j'aime Hitler? Non, tu ne peux pas t'arrêter. Mais c'est parce que tu n'as pas connu sa vie. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et puis, il y a eu ce génocide. Mais si toi, tu étais présent ou bien on t'expliquait les vrais faits, peut-être tu ne peux pas avoir la même vision que tu as en ce moment sur lui. Peut-être tu vas changer d'avis. Peut-être tu vas dire il a raison ou bien il a tort. Tout dépend de ce que tu vas penser. C'est que tu vas, la vraie histoire, si on te rencontre, peut-être tu vas changer d'avis. Ou bien tu seras toujours sur ta position. Mais si on t'explique une autre histoire que celle qui est la vraie, mais mon frère, tu vas toujours le dénigrer. C'est ça. C'est ça. Donc, votre prophète là, sa vie, son passé, c'est parce que le Coran est venu arranger la vie de votre prophète. Et quand il tuait, on prend les hadiths pour dire non, il a tué. Voilà pourquoi il a tué. Ils essaient de justifier les crimes qu'il a commis. Les crimes qu'il a commis sur cette terre-là. Ils essaient de justifier pour dire non, il commettait ces crimes. Parce que les gens lui déclaraient la guerre, il commettait ses crimes parce que c'était les ennemis de l'islam. Donc voilà pourquoi il a commis ses crimes. Et il justifie les crimes pour faire passer la raison de son côté. Oh putain, il a tort. Il a tort. Mais ils ont tout fait pour arranger ça dans votre livre, soi-disant saint, pour lui donner raison. Et quand vous regardez, quand on lit un passage coranique, qu'est-ce que les gens disent? Il faut lire tout le passage. Parce que ça dépend du contexte où ils ont écrit ça. Tout simplement, ils vont justifier les crimes qu'il a commis et les ordres qu'il donnait aux gens d'aller commettre des crimes. Ils vont expliquer pourquoi il donnait ces ordres pour ramener la vérité de son côté. Mais quand vous ne faites pas attention, vous allez toujours tomber dans ces pièges. Vous allez dire oui, il avait raison. Mais ils ont justifié ses bêtises en lui donnant la raison. C'est quand tu fais des bêtises, on t'accuse, on t'a vu, tu as tué. Et tu dis oui, j'ai tué, mais voilà, voilà, tu essaies de te justifier pour apporter la raison de ton côté. Et tu mens à ceux qui n'ont pas vu l'acte. Tu dis oui, c'est lui qui m'a tiré là-dessus premièrement. J'ai riposté, voilà, voilà. Et puis ceux qui n'étaient pas, mais ils vont te croire. Ils vont dire oui, il a raison, c'est légitime défense. Oh pourtant, tu t'es pas défendu, tu as tué, tu es un tueur. Voilà comment les gens ils font. Et ils nous berlent. Ablo Jaguar, il dit que Dieu me pardonne. Mon frère, c'est à toi Dieu doit pardonner. Parce que toi-même, tu es perdu. Tu es perdu. Parce que tu es prostitué, un truc spirituel. Tu es prostitué spirituel. Parce que tu laisses tes ancêtres et tu t'en vas adorer les ancêtres des autres. Tu laisses ta langue et maintenant, tu fais la prière dans une langue étrangère qui est une langue arabe. Quelque part, les barbus, c'est dans la langue que tu fais ta prière. Donc, c'est toi qui es perdu. Moi, quand je veux faire ma prière, mais souvent je fais ma prière dans ma langue paternelle, le dida. Ah oui, ou bien le bété, c'est tout à fait normal. Comment je ne peux pas parler le dida et le bété, là, raison pour laquelle j'ai fait la prière en français. Mais si je suis seul et que je prie, mais je prie dans ma langue, là, je ne suis pas un prostitué, moi, un truc spirituel. Et j'adore toujours le Dieu de mes ancêtres. Je ne suis pas un prostitué, moi, un truc spirituel. Mais toi, non seulement tu es prostitué spirituel, tu as oublié le Dieu de tes ancêtres, en dehors de ça, tu oublies ta propre langue maternelle et paternelle. Toi, tu prends la langue des barbus qui sont cachés en Arabie Saoudite, des tueurs, des assassins, et c'est dans leur langue, maintenant tu pries. En dehors de ça, tu as épousé leur idéologie dans le but d'aller assassiner des gens. Quiconque parle mal de ton prophète est une proie pour toi. Tu vas vouloir verser le sang de ce dernier. Pourquoi? Parce que tu as épousé l'idéologie des gens, des barbus. Et donc, ça fait de toi un esclave mental. Voilà ce que tu es. Donc, que Dieu te pardonne. C'est clair. Que Dieu vous pardonne.
Donc, vous comprenez, je pense que ceux qui doivent comprendre, ils comprennent. Mais ceux qui refusent, mais ils ne comprendront jamais. Parce qu'ils seront sur leur pied pour défendre l'indéfendable. Alors, venons-en du côté des chrétiens. Voilà des chrétiens, des gens. Ceux-là, ce sont des arnaqueurs. Des arnaqueurs. Ces gens-là, ils font leur... Ils partent dans les églises, ils créent les églises pour gagner de l'argent. C'est tout. Ils créent les églises pour avoir du pactole, le sou. Allez-y voir dans les églises, les dimanches, tous les jours, que le grand maître de l'univers fait et qui nous donne la joie, la paix du cœur et qui nous donne la santé, tous les jours qui passent, les prêtres, les pasteurs, les généraux, parce qu'ils se font appeler maintenant général, généraux, donc on va les appeler de façon globale, hein, des généraux, des prêtres, des curés, des prophétesses, des prophètes, des je ne sais pas, des sœurs. Tous ces gens-là créent les églises pour gagner le pactole. Imaginons dans une église, même si un fidèle ou une fidèle a un problème. Ma soeur, toi qui m'écoutes là, écoute-moi bien. Ton enfant souffre, toi tu es fidèle, hein? Tous les dimanches, tu donnes 10 000 à ton pasteur. Quand on dit oh, alléluia, alléluia, tu donnes 10 000. Chaque dimanche qui passe, tu donnes 10 000. Un jour, tu n'as rien, tu n'as plus rien dans ta poche, même dans ton compte, rien, puisqu'il n'y en a pas. Et ton enfant tombe gravement malade. Tu as besoin d'aide. Je dis bien, tu as besoin d'aide. Tu viens à l'église, tu expliques ça à ton pasteur. Pasteur, j'ai un problème. Mon enfant est gravement malade. Je vais soigner mon enfant. Au lieu de te donner les moyens pour prendre ton enfant et l'amener à l'hôpital, il va dire envoie l'enfant, on va prier pour lui. C'est la première chose. Okay? Il dit amène l'enfant, on va prier. Oh, pourtant, la maladie que l'enfant a, ce n'est pas une maladie de prière, c'est une maladie d'hôpital. Ils doivent, c'est-à-dire l'enfant peut-être il manque du sang, il est en train de mourir, sa couleur change. On doit mettre dans son corps, on doit lui mettre un pot de sang. On doit prendre un autre sang pour mettre dans son corps pour ramener ce dernier en vie. Ou bien l'enfant, il a le palu qui est très élevé, ou bien la fièvre typhoïde, il est sur le point de mourir. Il doit se faire soigner immédiatement, mais les soins sont coûteux. Il faut de l'argent. Il ne s'agit pas de prière, mais il s'agit de passer aux actions, c'est-à-dire les actes, pour sauver ce dernier. Le pasteur, au lieu de te donner les moyens, il va dire, amène-le, on va prier. Et dans les prières, il va mourir. Il va dire, Dieu a pris son âme. Voilà les bandits, parce que ça leur fait mal de prendre cet argent que vous leur avez donné, vous redonner pour aller faire soigner qui que ce soit. Si un fidèle a un problème, ils ne sont pas prêts pour dépenser. Oh, pourtant, il dit, Dieu dit qu'il faut donner. Donc, quand Dieu dit qu'il faut donner, là, c'est vous les fidèles là, qui donnez, mais un pasteur, ils ne sont pas capables de vous donner aussi. Ils sont radins. Ils sont radins égoïstes. Ils sont encore arnaqueurs. Voilà ce que c'est que des pasteurs que vous adorez. Où vous partez à longueur de journée. Ces pasteurs qui prennent la haine, la division, qui font que vous vous divisez avec vos familles. Un pasteur va te regarder, non, c'est ta mère qui est la sorcière. Oh, pourtant, la vieille, pourtant même, elle prie matin, midi, soir pour ton bien-être. Elle se bat. Peut-être même les sorciers veulent te tuer, ta vieille. C'est elle-même qui lutte là-bas pour te protéger en esprit, pour ne pas qu'on te fasse du mal. Et le pasteur va venir, il va dire, oh, c'est la vieille. C'est elle qui est ta sorcière. Et toi aussi, toi qui aides la vieille financièrement, tu mets tout, hein, tu coupes tout. Et le pasteur va dire, bon, viens, on va prier pour toi. Il faut payer les bougies, il faut payer ça, l'huile. Donc, il faut me donner l'argent comme je pars en Israël chaque jour ou bien chaque mois. Voilà, donne-moi l'argent comme ça, je vais passer les commandes en Israël parce que ça ne se trouve pas ici. Et tu lui donnes l'argent que tu allais donner à ta mère. Maintenant, ça lui revient, lui le pasteur. Et il est assis, il est dans des bases. Et oh, pourtant, lui, là, il ne paye pas ça en Israël. Il part à la boutique, il dit, donne-moi une 50 francs CFA. Ou bien, ah oui, une 50 francs CFA, il met ça dans une bouteille, il met ses trucs, il met les accents, il parfume, et puis il dit, voilà, lui, il est venu, il met une étiquette, il dit, bon, lui, il est venu, il faut faire tel jour, il faut prendre Ousuna, il faut prier.
Attends, ça va chasser les mauvais esprits. Et il est là. Il prend ton argent. Et ton salaire que tu trouves, au lieu de donner à ta mère pour aider ta famille et tout, non. Lui, maintenant, il te demande, il faut lui donner. Il va payer l'huile avec bougie qu'il faut quitter spécialement en Israël pour ton bien-être. Et tu vas passer tout ton temps pour lui donner. Si même quelqu'un te dit, ah, ma soeur, fais attention, c'est de la nature. Ah, c'est mon père spirituel. Les chrétiennes, elles sont tellement têtues. Quelque chose, ce que tu vas leur dire, elles ne comprennent rien. Je ne sais pas si leurs oreilles sont bouchées, s'ils ont cassé le bâton ici, ou bien ils ont percé les tympans, quel que soit. La sensibilisation que tu vas faire à leur égard, elles ne vont pas écouter. Elles vont toujours t'insulter jusqu'à ce qu'un jour, elles prennent conscience pour dire, mon frère, tu avais raison. Tu avais raison. Il m'a arnaqué. Il t'a raté. Il t'a raté. Il t'a pas arnaqué. Il t'a pas raté. Lui-là est venu. Il faut mettre ça dans série Dakar. Mais c'est ça le problème. Bonsoir. Ami Kondombo, bonsoir. Que le Saint-Esprit ne m'a pas encore parlé afin de donner le sirop à son enfant. La vraie sorcellerie, c'est ça. Donc, vous comprenez. Vous comprenez. Donc, on vous demande de prendre conscience. Ces gens-là, ils ne peuvent pas vous aider. Vous allez leur donner l'argent, chaque dimanche. Chaque samedi soir, ils vont organiser, je ne sais pas, comment on appelle ça, pour aller prier, veiller de prière. Vous allez cotiser. Mais le jour où vous avez un problème, et que vous venez leur exposer vos problèmes, ils ne vont même pas cotiser. Ils vont vous demander de dire, il faut prier. Ils vont vous donner des versets bibliques. Non, il faut prendre tel verset. Il faut prier chaque jour. Dieu va faire miracle pour toi. Ah, donc c'est ça. Dieu maintenant, il fait miracle pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire, tu as un problème financier. Ton problème est là. Lui à qui tu dois là, il te traque. Il veut même te mettre en tôle, en prison. Ça ne va pas. Suya cool. Tu viens leur exposer le problème. Il te donne des versets bibliques. Il faut lire. Que Dieu va faire miracle. Mais eux là, ils n'attendent pas le miracle de Dieu pour prendre votre argent. Chaque jour, ils prennent votre argent. Quand tu leur donnes, ils ne disent pas non, non, non. Je vais lire un verset pour que Dieu m'envoie l'argent. Et ceux-là, ils vont vous demander de cotiser pour qu'ils payent l'église où vous priez. Ils vont vous demander, non, cotiser, on va payer l'église parce qu'on loue le coin. Vous savez, le pasteur doit laver ses habits. Donc, l'argent que vous donnez, on va louer l'endroit. Le pasteur va laver ses habits. Et ils font cette bêtise. Là, il n'y a plus de verset biblique hein, pour pouvoir obtenir de l'argent pour payer l'église et laver les habits du pasteur. Mais quand c'est votre problème, quand c'est votre tour, vous avez un problème sérieux, ça ne va pas. Vous sentez même que ça ne va pas. C'est chaud. Quand vous venez, ils vont vous donner des versets bibliques. Lisez que Dieu va faire miracle. Vous savez, vous voyez comment ils vous manipulent. Vous voyez comment ils se foutent de vous. Mais prenez conscience. Vous refusez de prendre conscience et vous êtes toujours derrière eux. Vous êtes toujours derrière eux pour les suivre comme des analphabètes. C'est grave. C'est grave. Et nous qui sommes là pour vous sensibiliser. Nous qui voulons vous aider à comprendre le système, non, il y a toujours des tarés, des ignares, des analphabètes, des illettrés qui vont venir nous insulter, nous traiter de n'importe quoi et qui vont penser qu'ils sont sur le chemin de la vérité. Oh, pourtant, ce qu'on leur fait croire, c'est tout à fait différent de ce qui se passe sur le terrain. Nous, on analyse les faits du terrain. On regarde le terrain et nous dénonçons ce qui est anormal. On essaie de vous conscientiser. Quand tu quittes devant cette caméra, après avoir écouté cette vidéo, ne donne plus, je dis bien, ne donne plus ton franc à un pasteur, à une prophétesse, à un imam qui va s'asseoir dans une mosquée pour crier avec sa longue barbe. Ne donne plus. Parce que si tu as un problème, l'imam, il ne va pas rien faire. Il va dire, amène le courage, je vais prier pour toi. Et puis, il va dire, dois où, il va dire, il faut partir. Oh, pourtant, tu as passé tout ton temps à donner l'argent au sein de la mosquée. Mais en retour, il va te dire, tiens, dois où, il faut partir. Il ne va rien te donner. Ils sont assis sur des millions. Et puis, ils ne font rien. Ils prennent votre argent. Au lieu de vous aider en retour, ils prennent ça pour payer les caisses. Et il dit, oui, il faut donner à Jésus. Donne à Jésus et Jésus te rendra ça au centime.
Quand tu donnes 50 francs, il va multiplier ça par 4. Quand tu donnes, oui, quand tu donnes 100 000, oui, Jésus va te donner en retour 1 million. Ne crains rien. Faut pas t'inquiéter. Ce que tu donnes, tu vas recevoir. Mais quand tu ne reçois plus, que tu es en galère, au lieu de te donner aussi, non, il te montre des versets bibliques, il faut prier. Pendant ce temps, ton argent que tu lui as donné, pendant longtemps, lui, il prend, il s'en va à payer une Mercedes bien grise. Oui, la Mercedes est bien grise, la veste, une veste blanche, et il est dedans avec madame. Vous voyez maintenant, madame qui marchait dans tapette, elle marche plus sur les tapettes. Elle porte maintenant les hauts talons. Madame, elle porte plus n'importe quelle mèche. Elle met maintenant mèche brésilienne. Madame ne porte plus n'importe quelle tenue. Tu la vois sa tenue, tu passes sur lui-même. L'odeur du parfum va te tuer. Tu demandes, ah madame, elle dit, j'ai mis tel parfum. Pourquoi? C'est ton argent, tu as travaillé. Parce que tu es bête. Ah oui, au lieu de prendre cet argent pour réaliser, tu as préféré donner ça à pasteur. Et pasteur, il prend, il fait n'importe quoi avec. Ces religions ne sont pas là pour te sauver. Quels sont les progrès de ces religions en Afrique? Qu'est-ce que ces religions ont apporté en Afrique? Ces religions, dites-moi, le progrès de ces deux religions-là sur le continent africain, elles ont apporté quoi? Ces deux religions ont apporté quoi? Rien. Elles n'ont rien apporté. Au contraire, elles ont empiré encore la situation. Elles ont aliéné le peuple. Elles ont rendu le peuple violent. L'Africain, qui est l'Afrique qui est une terre d'hospitalité. Vous pensez que c'est une terre d'hospitalité? Une terre sur laquelle vivent des humains qui sont humbles, qui sont bien. Ces humains-là, ils sont devenus des animaux, des barbares. Pourquoi? Parce que deux religions sont quittées ailleurs. Des religions étrangères sont venues envahir l'intelligence des Noirs pour s'aimer l'analphabétisme, pour s'aimer le désordre dans leur tête. Et les rendre vulgaires, les rendre barbares, les rendre des sanguinaires. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un terrain de guerre. Oui, parce que ceux qui y vivent, ils n'ont plus l'amour de leur prochain. Ils tuent à cause d'une religion. On les manipule facilement. Vous qui vous dites que Dieu est avec vous et que vous partez dans les bonnes religions, comment pouvez-vous laisser? Comment Dieu peut vous abandonner peut vous abandonner pour vous laisser manipuler par l'homme blanc? Puisque vous dites que ces religions vous donnent la sagesse, mais allez-y en Afrique, des gens qui se font manipuler, qui sont ces religions, ils sont soit catholiques, ils sont soit chrétiens, ils sont soit musulmans, mais ils sont manipulés à longueur de journée par l'homme blanc, par l'homme occidental, ou bien par les Arabes, et ils tuent leur propre frère, et après, Dieu merci. Et tu tues ton frère, tu dis Dieu merci. Soit disant, ils sont trop intelligents. Mais ton Dieu, il t'a oublié. Quelqu'un avec qui Dieu est là, il n'est pas bête. Il ne peut pas se laisser manipuler. Dieu va t'éclairer. Et si c'est une manipulation, Dieu va t'éclairer pour dire non, ne le fais pas. Parce que c'est un manipulateur. Ne tombe pas dans... Maintenant, les Africains, ils sont les premiers à se laisser manipuler. Et ils pensent qu'ils adorent le vrai Dieu. Mais non, vous adorez un faux Dieu. S'il était un vrai Dieu, l'Africain n'allait pas se laisser influencer par l'homme blanc. Parce que Dieu allait être avec lui. Il n'allait pas se laisser manipuler par l'homme blanc. Parce que Dieu allait toujours l'éclairer pour lui montrer le vrai chemin, pour dire le chemin sur lequel il veut te mettre, ce n'est pas un bon chemin. Il veut te manipuler, il veut te tromper. N'y va pas. Mais non, le noir, il part. Parce que tout simplement, sa religion qu'il adore, en pensant qu'il adore le véritable Dieu, n'est pas un Dieu. Il adore n'importe quoi et il pense que c'est un Dieu. Mais c'est toujours la manipulation. Il vous montre le chemin de démon, de Satan, et vous suivez. Mais Satan, lui, manipule. C'est un manipulateur, c'est un voyou. C'est un délinquant, c'est un sanguinaire. Et donc, on ira toujours de crime en crime. On va s'entretuer en Afrique. Pourquoi? Parce que nous adorons un Dieu sanguinaire, un Dieu qui a besoin du sang humain. Et mais c'est ce que nous voyons. Les guerres religieuses. En Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, ce n'est pas une histoire de trucs au boubou. C'est une guerre religieuse qu'ils ont imposée aux Ivoiriens. C'était contre le Nord et le Sud. Soi-disant, histoire de boubou. C'est une guerre religieuse que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de Bago Ouattara. C'est une guerre religieuse où d'autres disent les musulmans. Ceux qui ont dit, non, les musulmans, on nous a laissés dans ce pays-là, on ne peut plus porter boubou. On nous interdit, les musulmans sont haïs. C'est une guerre religieuse qu'ils nous ont
imposé là-bas. Et puisque nous n'adorons pas le bon Dieu chrétien comme musulmans, alors on est tombé dans le piège des manipulateurs. On s'est entretués. Et voilà où on est. On pleure aujourd'hui. On a mis la Côte d'Ivoire en retard. Le désordre. Les Ivoiriens fuient. Aujourd'hui, les Ivoiriens traversent l'eau pour venir à l'envature. Parce que tout est mélangé là-bas. Insécurité totale. Nous-mêmes, on a encouragé les microbes en Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'adore pas le véritable Dieu. Donc, le Dieu voyou, c'est Dieu voyou que les Arabes et les Occidentaux nous ont imposé. Ce sont des dieux de manipulateurs, trucs de manipulation. Les dieux manipulateurs, des dieux de buveurs de sang. Donc, on va passer tout notre temps à s'entretuer en Côte d'Ivoire. Voilà le désordre qu'on est là. C'est une guerre religieuse. Ce n'est pas une guerre entre Gbagbo et Ouattara. Cette guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire est une guerre religieuse. Mais il fallait trouver des acteurs. Donc, ils ont trouvé la personne de Ouattara et la personne de Gbagbo. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est une guerre religieuse. Ce n'est pas une guerre entre Gbagbo et Ouattara. Mais il fallait trouver des personnes pour animer cette guerre. Voilà pourquoi Gbagbo et Ouattara ont été des jouets, ont été des acteurs. Sinon, au fond, là, c'est une guerre religieuse que nous avons connue. Ce que la France, la Centrafrique a subi en ce moment, c'est une guerre religieuse. Le Mali, là, c'est une guerre entre les Maliens et les trucs. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, ils se sentent, on les traite de djihadistes. Ils sont des radicaux. Ils sont des islamistes. C'est une guerre religieuse. Entre les musulmans, ils se battent. Parce que les autres veulent instaurer la charia au Mali. Les autres disent non, notre religion. Et donc, c'est une guerre entre les musulmans, ils se mangent. Parce que ce n'est pas un Dieu éclairé. Ce n'est pas un véritable Dieu. C'est un Dieu sanguinaire. Et ce Dieu a toujours besoin du sang humain. Regardez, dans les pays arabes, ils s'entretuent parce que c'est un Dieu qui a besoin du sang pour régner. Ce n'est pas un Dieu de paix, ce que les gens vous font croire. Même l'Arabie Saoudite, où vous partez prier là, où vous pensez qu'il y a le siège d'Allah et que vous partez prier là-bas en longueur de journée, vous rendez les Saoudiens riches, vous leur donnez des milliards de dollars chaque fin d'année, pour ne pas dire chaque seconde qui passe, vous les rendez riches et ils sont des pétrodollars. Ceux-là, leur Dieu a besoin du sang pour régner, pour que les Saoudiens règnent partout où ils se trouvent. L'islam, vous savez, ils sont les premiers à financer l'islam. Ils sont les djihadistes dans ce monde. Ils sont les premiers à financer tout ce qui est mauvais pour détruire les autres états et obtenir le sang. Leur Dieu a besoin du sang. Voilà, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de midi à 14h. Pourquoi refusez-vous de comprendre? Pourquoi? Quand on vous dit la vérité, vous ignorez. Mais je suis là pour vous éclairer ce soir. Leurs dieux ont besoin du sang. Que ce soit le dieu des chrétiens, des musulmans, tous les deux dieux ont besoin du sang. C'est une sorte de sorcellerie qu'ils ont emballée pour dire. Ce sont des génies en fait qu'ils ont emballés pour écrire des histoires pour les transformer en dieux. Mais vous savez que quand tu adores un génie, tu as besoin de donner du sang à ce génie. Mais leurs génies là ne prennent pas n'importe quel sang. Ils ont besoin du sang humain. Raison pour laquelle il ne peut pas rester sans déclencher une guerre quelconque. Il n'aura jamais de paix dans le monde. Tant que ces deux religions existeront, il n'aura jamais de paix. Parce que ces deux religions ont toujours besoin du sang. Ont toujours besoin du sang pour régner sur l'humanité tout entière. Musulmans, chrétiens, ce sont des vrais tueurs. Et ce sont eux qui tuent le monde. Tous ceux qui sèment la terreur partout dans le monde, ce sont les chrétiens et les musulmans. Il n'y a pas quelqu'un d'autre ailleurs qui sème la terreur ailleurs. Ce sont les chrétiens et les musulmans qui font n'importe quoi dans ce monde, qui déclenchent les conflits, qui déclenchent tout, qui tuent leurs propres semblables. Et en retour, ils nous font croire qu'ils adorent un dieu de paix. Vous adorez des dieux sanguinaires. Il n'y a pas dieu de paix. Il n'y a pas dieu de paix. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui est animiste, qui est dans son coin, en train de supplier son Dieu, envoyer quelqu'un pour aller mettre bombe quelque part pour se faire sauter. Vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui est animiste, qui va demander à une armée d'envoyer des avions pour aller bombarder des humains, pour verser leur sang. Vous ne le verrez jamais. Mais par contre, vous verrez toujours des chrétiens
Fais cela. Vous verrez toujours des musulmans le faire. Pourquoi? Parce que leur Dieu a besoin du sang. Ou bien leur Dieu a besoin du sang. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais l'esprit qui les pousse à réagir ainsi, l'esprit qui les pousse à procéder de la sorte, est l'esprit de leur Dieu qui leur pousse, qui leur recommande d'aller tuer au nom de leur religion. Et donc, ils tuent, pensant qu'ils font du bien à leur Dieu. Mais non, en réalité, c'est votre Dieu qui vous pousse à les tuer. Et en même temps, ils vous font une illusion pour dire que lui, il est le Dieu de la paix. Dieu qui va faire régner la paix. Non, ce Dieu ne fera jamais régner la paix. Non. Si le Congo est désordonné, mais ce sont les catholiques qui sèment la terreur. Parce que eux-mêmes, ils ont fait complot avec l'homme occidental. Et ils sèment la terreur. La barbarie, ce sont eux-mêmes qui poussent le désordre au Congo, Kinshasa. Les Congolais, ce sont les chrétiens qui sèment la terreur. En Centrafrique, ce sont les musulmans et les chrétiens qui sèment la terreur. Au Moyen-Orient, mais ce sont les musulmans qui sèment la terreur. Et les chrétiens, bien sûr. Parce qu'il y a d'autres musulmans qui sont encouragés par des chrétiens qui viennent de n'importe où. Je ne citerai pas de nom, mais vous-même, vous le savez. Des chrétiens qui financent d'autres musulmans et d'autres musulmans financent d'autres musulmans pour aller tuer d'autres personnes, d'autres musulmans et ceux qui ne sont pas des musulmans. Voilà comment ça se passe dans ce monde. Voilà comment ça se passe. Toi, si tu n'adores pas l'islam, tu n'adores pas le christianisme, et tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, qu'est-ce qui peut te pousser à aller mettre une bombe sur toi pour te faire exploser? Au nom de qui? En faisant ça, tu penses que tu vas gagner quoi? Mais si tu sais que, en te faisant exploser, il n'y a pas cette vierge femme qui t'attend au paradis, et qu'en te faisant exploser pour mourir au nom d'un quelconque Dieu, mon frère, tu ne feras pas ça. Et tu verras ton ami, ton prochain, comme toi-même. Tu vas l'aimer. Tu ne vas pas le tuer, parce que tu sais que si tu le tues là, tu vas gagner quoi? En l'explosant là, tu vas gagner quoi? Tu ne vas rien gagner. Donc tu préfères rester dans ton coin sans le tuer. Tu préfères même lui tendre la main. Mais un musulman qui voit quelqu'un d'autre qui n'est pas musulman comme lui, déjà, ils peuvent être amis. Mais remarquez, vous qui êtes amis avec les musulmans, remarquez, tu peux être ami avec ton ami musulman. Vous êtes comme ça. C'est-à-dire, tu peux lui demander de l'argent, il peut te donner. Toi aussi, il te demande l'argent, tu peux lui donner. Mais le jour où tu parles de son prophète, mon frère, ce jour-là, il peut t'égorger. C'est-à-dire, votre amitié, là, ça, il met fin à ça, ce jour-là. Il te tue automatiquement. Il ne va pas penser que vous avez vécu des moments difficiles dans votre passé. Vous êtes entraidé quelquefois. Ou lui, ça manquait sur lui, tu l'aidais. Ou toi aussi, ça manquait sur toi, il t'aidait. Et que vous avez traversé des moments très difficiles, vous êtes battus ensemble pour pouvoir arriver là où vous êtes. Mais le jour où tu parles mal de son prophète, il est capable de te tuer. Et il va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand. Au nom de quoi? Parce que l'esprit de son Dieu l'a poussé à t'exécuter en disant qu'il défend son Dieu. Donc, sans même le savoir, dans son subconscient, il ne sait même pas. Et il exécute, il pose une action. Sans même le savoir qu'il est en train de commettre un crime. Mais chez lui, il se dit il défend une cause, la cause de son Dieu. Donc, son Dieu sanguinaire lui demande de te tuer en son nom. Et mais il va t'exécuter sans même penser. Et il pense qu'en mourant, il va aller au paradis. Parce que chez lui, dans sa tête, il y a un paradis qui l'attend. Voilà comment il commet des crimes. Et donc, un musulman peut te tuer facilement. Il te tue et puis il est content. Il est content parce que il va se glorifier. Il va glorifier Dieu en disant qu'il a fait le boulot de Dieu. Pourtant, sur cette terre-là, son prochain est son Dieu. Mais en te tuant, il ne sait pas qu'il vient de tuer un être cher. Au lieu d'entamer le débat, non, il va vouloir passer à l'acte. Vous comprenez? Et c'est grave. C'est pour ça qu'on essaie de vous cultiver. On essaie de vous sensibiliser. Arrêtez de faire ça. Ne tuez pas au nom d'un Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé, mon frère. Ça, c'est ta conscience qui pense que Dieu t'envoie pour tuer. Ce petit document voyou qu'ils ont écrit, ce n'est pas Dieu qui a envoyé ces gens-là. Ce sont des businessmen. Et il y avait deux blocs avant. Les chrétiens et les musulmans. Chacun voulait contrôler le monde.
Chacun voulait avoir une influence sur le monde. Il y avait les conquêtes des territoires. Mais pour conquérir le territoire, non seulement il faut appliquer la violence, mais après la violence, maintenant, il faut contrôler les humains spirituellement, psychologiquement. Donc, chacun a essayé de créer son livre, c'est-à-dire la religion. Quand tu occupes un territoire, après avoir fini de maîtriser les habitants de ce territoire, tu leur inculques ta religion pour avoir une domination sur ce peuple. Donc, c'était la bataille entre les chrétiens et les musulmans. Les musulmans ont essayé de conquérir l'Europe. C'est eux qui ont lancé l'esclavage sur l'Europe d'abord. Ils voulaient islamiser l'Europe. Les Européens, à un moment donné, ils ont occupé l'Europe. À un moment donné, ils se sont révoltés, ils ont chassé les musulmans. Et quand les musulmans sont quittés en Europe, ils ont trouvé un autre terrain. Ils sont partis en Afrique, ils ont débarqué sur le territoire africain. Et ils ont occupé ce territoire pendant un siècle. Ils ont conquis le nord de l'Afrique. Ils ont occupé ça. Ils ont islamisé le nord de l'Afrique. Et maintenant, après avoir fini d'islamiser le nord de l'Afrique, mais avant d'islamiser là-bas, il y a eu des résistances africaines. Les berbères, que vous appelez berbères, qui sont au Mali, eux, ils ont résisté. Ils ont combattu, mes frères. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Les berbères, là, eux, ils ont combattu. Pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez m'appeler directement sur Facebook. Là. Appelez-moi en caméra directement. Appelez-moi en caméra. Donc, pour ceux qui veulent appeler, ils peuvent m'appeler en caméra directe. Il n'y a pas de souci. En vidéo live, comme ça, on peut parler. Il n'y a pas de souci. Oui, Samy, il faut appeler à travers Facebook. Attends, je vais chercher ton nom, je vais t'appeler directement. Comme ça. Je vais vous éclairer ce soir. Parce que beaucoup sont perdus et il est très important. Bon, Samy, tu peux appeler de la manière on appelle à travers caméra sur Facebook ou vous commentez là, il y a un petit truc qui s'affiche comme vidéo, vous pouvez appeler là-bas. Allô? Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir, maître Samy. Comment allez-vous? Ah, je vais bien. Et de votre côté? Ben, ça va. Je dis, monsieur, je dis un truc là. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Oui? Ils disent que leur Dieu, là, que ce soit Jésus ou Mahomet ou Allah ou quoi, c'est lui qui a créé le diable. Oui. Il vous a donné le libre arbitre, le chouïe. Oui. Mais si c'est Dieu qui a créé le diable, vous êtes dans l'église pour chasser le diable, pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de le chasser pour maintenant? Si vous avez bien le chasser, là, pourquoi il a créé tout l'anéanti? Ah, question. Donc, lui, voilà, c'est toi, ma conseille, Dieu va envoyer pour venir chasser le diable à Abidjan. Pourquoi toi, le pasteur, dit, mais c'est lui qui l'a créé? Question. Donc, lui, il ne savait pas que quand il allait, parce qu'on dit, il sait tout, il est omnipotent. Donc, lui, il ne savait pas que quand je vais le créer en 2020, là, ma conseille va chercher. À chasser le diable qui l'a créé. Question. Question. Non, on n'a pas, vous comprenez rien, Mamadou Souroula, regarde, c'est comme, on appelle ça le syndrome de Stockholm. Une femme qui s'est fait violer, tellement ils l'ont violée terriblement, elle est tellement traumatisée parce que c'est le violeur là qui est son mari. Oui. Elle reste derrière lui. On vous parle de quelque chose, vous ne comprenez pas. Mais regardez, quand tu demandes aux musulmans, ils disent non, Dieu a envoyé beaucoup de prophètes, il a envoyé des prophètes pour tous les peuples de la terre. Quand tu vas demander, il dit dans le Coran, il y a plus de 24 000 prophètes. C'est un peu plus de 124 000 prophètes. Oui. Il a dit qu'il y avait plus de 120 000 peuples. Mais pourquoi est-ce que quand vous priez là, vous n'avez jamais dit le nom des prophètes noirs? Ils disent non, nous on ne prie pas Mahomet, on prie Dieu. Oui, mais Dieu, mais vous dites toujours Mohamed, Wassalam, Allah, Wassalam. Vous dites que Mohamed, peace be, de la peine à quel sujet, peace be upon nous. Pourquoi vous ne dites pas ça pour ça me retourner? C'est pas lui qui a envoyé l'islam là-bas, à chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire? Question. Pourquoi quand ils prient, ils ne disent pas, me retourner, Salah, Allah, Wassalam? Pourquoi ils ne disent pas un autre nom? Ils sont malhonnêtes, ces musulmans. Ils sont inconscients. On a dit qu'ils ont fabriqué un blanc là-bas, on a dit que c'est Jésus, que c'est Dieu qui l'a envoyé pour se sacrifier pour ses enfants. Mais ce Dieu-là, avant qu'il crée le monde-là, moi c'est ce que je demande toujours. Pourquoi il a envoyé Abraham? Pourquoi il a dit à Noé de faire l'arche de Noé, tout ça? Il ne peut pas envoyer Jésus en même temps? Parce qu'il a disait de faire tout ça, il ne savait pas que ça, ça allait échouer. Question. Mais je vais leur poser aussi, parce que tu as soulevé une question. Ils disent, oh, Dieu,
Dieu a créé le diable et Dieu lui-même est là. Il a créé l'homme et l'homme est son propre libre arbitre, n'est-ce pas? Mais c'est dans quel but les musulmans, c'est-à-dire leur propre prophète Mohammed, c'est dans quel but il est venu assassiner les gens et les obliger à accepter leur Dieu? Si l'homme est son propre arbitre, pourquoi obliger l'homme? Parce que ce dernier ne veut pas accepter. Pourquoi l'obliger? C'est quoi la différence entre la religion et le spiritualisme et la spiritualité? La religion, pour prendre quelqu'un, pour avoir quelqu'un dans ta religion, il faut conquérir cette personne. Oui. Alors que la spiritualité, tu n'as pas besoin de conquérir. Quand tu conquiers quelqu'un, tu n'obtiens pas la personne de son oui, c'est-à-dire de sa propre volonté. Oui. Tu contrées la personne, tu sais si la personne a voulu. Mais oui. Quand tu es pas de la personne, si toi-même, par exemple, je vais te donner un exemple. Oui. Quand tu touches ta main, tu sens, si tu prends ta main gauche, tu tapes ta main droite, tu sens que tu as encore touché ton corps. Oui. Mais ce qui est dans ton corps, qu'est-ce qui est dans ton corps? Dans ton corps, il y a 66% d'eau, il y a 16% d'air, oui. Il y a 6% d'espace, il y a, oui. Je crois, 2% ou 3% de terre. Oui. C'est tout ça qui fait le corps humain. Quand je te dis, par exemple, que s'il y a un manger, on a préparé un gabali, ça y est, il y a un gabba qui est sur la table. Quand tu touches le gabba, là, est-ce que c'est toi? C'est pas toi, non? Non. Parce que le gabba est en dehors de toi. Ce qui est toi, c'est ce qui est pas de toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Oui. Donc, par exemple, ton corps, ta chair. Quand tu te blesses, quand tu pèses ta chaîne, tu sens ça parce que c'est à l'intérieur de toi. Oui. Mais ce qui est à l'extérieur de toi, ça n'est pas à l'extérieur, ça n'est pas, c'est pas toi. Oui. Une fois que tu commences à manger ce gars-là, quand tu mets ça dans ton ventre, ça devient toi maintenant. Oui. Cette eau qui est à côté, quand tu mets ça dans ton ventre, ça devient toi. Voilà, oui. C'est ça le spiritualisme. Oui. C'est ce niveau physique là. Et puis aller dans le spirituel. Si tu fais ça, tu n'as pas besoin de religion. Oui. Parce que quand tu vas voir Dieu qui est assis à côté, je ne vais pas voir Dieu comme quelqu'un d'autre, je vais voir Dieu comme une partie de moi-même. Je ne vais pas vouloir blesser Dieu, je ne vais pas vouloir chercher la femme de Dieu. Mais si je fais ça à Dieu, c'est comme si je me fais ça moi-même. Oui, on n'oblige personne. C'est la volonté de chacun. Quand je vois l'eau qui est assis, un l'eau qui est là dans un verre sur la table, à partir de ce moment-là, je vois ça comme l'eau. Ça ne fait pas partie de mon corps. Donc je peux même mettre l'eau de Javel dedans. Oui. Parce que dans ma tête, ça ne fait pas partie de moi. Mais à partir du moment où je vois cette eau-là, c'est cette eau-là qui est à l'intérieur de moi qui me permet de devenir ce que je suis. Oui. Et c'est ce que tu montres. C'est un élément extérieur que tu mets dans ton corps qui devient une partie de toi, qui devient part de toi, ça devient des muscles, ça devient la viande, ça devient tout ce que tu es. Voilà, tes organes et tout ça. Donc si tu parles de ce concept-là, que même ce qui est à côté de toi, au-delà du physique, c'est une partie de toi, parce que tu as besoin de ça pour devenir ce que tu es, même l'homme qui est en face de toi, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Oui. Et là, j'enseigne ça aux gens. Ils enseignent des religions, Mamadou, sur l'ail, pour des séries d'attaques, si, mais c'est quoi ça? On vous explique quelque chose. Vous dites que quand tu demandes aux gens, ils disent non, votre Dieu, là, il vous a oublié, alors, parce qu'il a envoyé Jésus pour les Blancs, il a envoyé Mahomet pour les Asiatiques, il a envoyé, comment on appelle, Mahomet pour les Arabes, Bouddha pour les Asiatiques. Et chez vous, il a envoyé qui? Question. Mais il y a des histoires, en Afrique, on te dit qu'il y a une femme comme Abraham Bokou qui a sacrifié son enfant pour son peuple. Pourquoi vous dites pas? C'est pas la même chose, comme on dit, Abraham voulait sacrifier son enfant. Vous voulez dire, Dieu a sacrifié son enfant, Jésus. Mais non, comme il est un petit blanc, donc il croit. Les Abraham Bokou ont sauvé tout un peuple en sacrifiant son propre enfant pour le bien-être d'un peuple. C'est lui qui a sacrifié ça que votre Dieu d'Abraham l'a fait pour son peuple. Il a sacrifié son enfant, Jésus. Et il croit en ça. Mais pourquoi vous croyez en ça? Supposons que, c'est parce que les Africains, supposons que, en fonction de chaque démographie, si les Africains étaient nés étaient colonisés par des hindous, ils allaient croire que c'est Bouddha qui est leur Dieu. S'ils étaient colonisés par. Si l'Afrique était quelque part, ils allaient croire à quelque chose. Tu vois, donc c'est en fonction de ta démographie. Et ils disent qu'il y avait des prophètes partout. Mais pourquoi est-ce que ce Dieu-là qui a envoyé ses prophètes arabes, et puis juifs, et puis Bouddha, pourquoi il n'a pas envoyé pour vous les Africains? Et c'est vous qui partez prendre pour les autres. Quand tu les parles de ça, ils disent non, il y avait des prophètes africains. Mais pourquoi quand vous priez, vous ne priez pas au nom de ces prophètes africains? Vous priez toujours au nom de Mohammed Salah, Allah Wassalam. Tu le connais où? Quand tu connais Mohamed Salala, là, où ça? Tu l'as vu? Question. Ton grand-père qui a du Béroua là-bas, lui, s'appelle Mohamed. Même son grand-père même ne connaît même pas son Mohamed là. Et lui qui est né hier, c'est lui qui veut parler de Mohamed. Or, pourtant, il y a des histoires africaines qui sont aussi là. Question. On est en de quelque chose. Et puis ça, c'est-à-dire que ce qui est éclairant là, tu vois l'Africain même qui se défend dès qu'il est il est prêt à te tuer parce que tu es en train de parler de quelque chose qu'on lui a inculqué dans un livre. Ah, mais moi, les menaces qu'ils font, souvent quand je coupe la vidéo, ils m'appellent, toi là. Il m'insiste, bâtard là, si on te voit, on va te tuer.
Tu vas voir, tu as parlé, tu vois des gens comme ça. Tu peux revêter le franc CFA. En fait, ah bon, tu veux pas franc CFA, mais tu veux la religion des blancs. Tu vas libérer l'Afrique. Tu crois que c'est comme ça qu'on libère l'Afrique? Question. Vous êtes aliénés? Aliénés, c'est quelle civilisation ça? Le seul peuple qui n'a pas ce qui n'a pas, même pas lui-même son prophète, il prend prophète des gens qui peuvent le faire. Africain plus chrétien même que ceux qui ont créé. Ah oui, oui, oui. Africains plus chrétiens que ceux-mêmes qui ont créé, ils sont plus musulmans que ceux-mêmes qui ont créé l'islam. Voilà des gens. Mais oui, les noirs musulmans et les blancs musulmans, les matraites, c'est eux qui sont les esclaves là-bas. Tu n'as pas dit que c'est Dieu de justice, je veux de quitter quoi, la même chose avec Dieu. Ah. Pourquoi c'est quand seulement vous partez à la Mecque là, vous faites seulement de vous coucher sur les nattes et les blancs et puis les machins. Et puis encore ça, ça reste à vérifier. Si même tu regardes la gueule et les points à la Mecque, la pointe des Africains sont couchés sur les nattes, c'est les noirs noirs seulement qui sont là-bas. Les blancs même se mangent pas là-bas. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est clair. Parce qu'ils vont par délégation. On dit non, ça, c'est délégation africaine. Ils savent pourquoi. Ils ne veulent pas se mélanger avec vous. Vous allez, quand vous allez en Libye, au Maroc, au machin, là, c'est les musulmans arabes qui maltraitent même les musulmans noirs. On les frappe, on les fait. Mais ces mêmes musulmans, là, pourquoi tu ne dis pas que nous, on va m'a dit sur le il faut leur rappeler le Coran. Ils vont t'égorger en même temps. Ils vont te dire, toi, tu es un esclave. C'est nous qui t'avons appris le Coran. Donc, on reste tranquille. Vous avez une Bible à côté? Une Bible. Oui. Oui, j'ai une Bible. Et si vous pouvez prendre, vous tapez sur Google, hein, Néphi, chapitre 5, verset 21. Comment? Néphi, N-E-P-H. Je viens. Excuse-moi. Je viens, je vais ouvrir Google. Et voilà, tu dis quoi de taper? Néphi, N-E-P-H-I. M-E-P. H-I. M-E-P-H-I. Oui. Méfie. Méfie quoi? 5-21. Écris seulement Méfie 5-21. Ça va sortir. 5. Et puis je veux. Voilà. 21. Tu lis ce verset-là à haute voix. Comme les nègres et les nègres, est-ce que tu veux. Oui, je viens. Méfie. Je vais sur le verset le plus long. 5-21. Oui. Ok. Ok, c'est écrit en anglais là. Cherchez la version française. Ouais, je viens. Version française. Excusez-nous, on va lire un passage là. Il paraît que c'est important. Neuf, vingt-sept, vingt-et-un. Leçon 40, 9 filles 31, non, 9 filles 5, 21. Mes filles. Attendez, excusez-moi. Je cherche. Parce que c'est très. J'espère que les auditeurs sont patients, c'est tout, mais ils ont besoin d'entendre ça. 9 filles 5, 1 à 8. Je viens. Ouais, va sur vous, Néphi 5, verset 21. 2, Néphi 5, 6, 10, 18, 26, 27. Ils ont enlevé 21 là. Je ne vois pas de 21 pour le moment. Mais je pense que je vais trouver. Ok, Néphi 5. Voilà, j'ai trouvé. Comment 2, Néphi 5, 21. Vous aide-t-il à comprendre la raison pour laquelle les Lamanites ont été retranchés dans la présence du Seigneur en disant que les Lamanites étaient devenus semblables à un caillou? Néphi insiste sur la dureté de leur cœur. Pourquoi le Seigneur met-il les Néphites en garde contre le mariage avec les Lamites, les Lamanites qui ont rejeté l'évangile? Voir Néphi 5, 23. Pourquoi est-il important d'éviter, de fréquenter et d'épouser une personne qui n'écoute pas le Seigneur? À votre avis, comment la personne que vous fréquentez et que vous finirez par épouser va-t-elle influencer vos efforts pour vivre l'évangile? Il peut être utile de rappeler aux élèves le conseil de la première présidence. Choisissez de... Mais
Mais ça, on est allé un peu loin. Quand vous tapez le chapitre 5, le verset 21 de Néphi. C'est. Ok. Chapitre. Néphi, et tu peux taper Néphi 5, 2.21. 5, 2.21. Oui. Chapitre. Excusez-nous, hein. C'est ça, c'est le but du sujet, donc il n'y a pas d'excuse à faire. Si on parlait de politique, on peut dire excuse. Non, comme je mets assez de temps pour chercher, je vois chapitre 24, Almas, chapitre 25. Oh, j'ai mis chapitre 5, 21. Non, le chapitre 5. Chapitre 5, verset 25. Verset 21. Ok. Néphi 5. Ou bien tape 2, Néphi 5, 21, parce que c'est le deuxième book. C'est le deuxième livre de Néphi. Donc tu peux taper 2 Néphi 5.21. 5, 2.21. Oui, ouais, je vois 2 Néphi 5. Maintenant, ils ont mis 2 Néphi 2.21. Vous aide-t-il à comprendre la raison? Un témoignage du livre de Mormon, Russell, M. Nelson. Bon, ils n'ont pas mis des explications en fait. Ok. Bon, je vais vous lire la version ici. La version ici. En anglais, et puis je vous traduis ça. And he had caused the curse to come upon them. Ce qui veut dire que Dieu a envoyé la malédiction sur eux. Yeah, even a sore curse. Because of their iniquity. Parce que les gars n'étaient pas justes. For behold, they had hardened their heart against him. Because leur cœur était dur contre lui. And they had become like into flame. Wherefore, as they were white, and extremely fair and delightsome. Cependant, pendant qu'ils étaient blancs et très jolis, très vraiment jolis, they may not be enticing into my people, the Lord God did cause a skin of blackness to come upon them. Donc, si ce que je veux dire, si tu veux traduire ça en français, ce qui veut dire que Dieu dit que les gens qui se sont rebellés contre lui, qui n'ont pas écouté ce que lui a dit, que leur cœur n'était pas ouvert à lui, alors que lui dit, il a donné fruit, il est. C'est ce que la Bible dit. Oui. Et cette même Bible a dit que tous ceux qui se sont rebellés et qui n'étaient pas d'accord avec Dieu, ils étaient blancs. Et ils étaient avec lui, ils étaient très jolis. Mais comme il s'est fâché, il a envoyé un curse sur eux, c'est-à-dire une malédiction sur eux, qui a fait de sorte que leur peau devienne noire. Ça, c'est le mot, hein. Oui. De Lévi, chapitre 5, verset 21. C'est ce qu'on dit dedans. Quand tu leur parles de ça, ils vont dire non, c'est pas le contexte. Donc, quand ils disent que ce n'est pas le contexte, là, au lieu de discuter toujours, quand vous nous donnez c'est quel contexte ça a eu, le téléphone est ouvert, venez nous expliquer ce que ça veut dire. Comme je n'ai pas la version française, c'est pour ça que je voulais que tu trouves la version française. Donc, la version dit que Dieu s'est fâché, que tout le monde était blanc. Mais quand Dieu s'est fâché contre une partie du peuple qui se révoltait contre Dieu, alors il a maudit ce peuple et ce peuple est devenu noir. Noir. Mais voilà, et vous voulez venir, vous c'est vous encore les négros et les négresses qui nous arrêtez là pour dire oui, l'éternel de jamais, Jésus de Nazareth, Jésus de Jacob. Alors que cette même Bible a dit que ce Jésus de Jacob, là, il a envoyé une malédiction sur la partie de ceux qui n'étaient pas contents avec eux parce qu'eux ne voulaient pas faire ce qu'ils voulaient. Mais c'est lui qui dit les a donné le lit d'arbitre. Mais donc il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais en plus de ça, après, il les a bien dit. Il a donné une peau noire. Donc ça veut dire que tous les noirs là, c'est les descendants de ces gars que Dieu a maudit là. Et alors c'est vous qui êtes ce Dieu d'Abraham là et de Jacob, Dieu qui est dans la Bible. C'est ce qu'on dit. Donc c'est lui qui nous a maudit pour vous rendre noir. Et c'est vous qui êtes le premier à rester là. Ouais, Dieu de Jacob, Dieu de Jacob, Dieu de Jacob. Oui. Donc, s'il y en a qui sont là qui vont dire que non, c'est pas le contexte, ils n'ont qu'à venir nous donner le contexte. Ou bien s'ils ont ce verset là, ils n'ont qu'à venir lire ça et puis ils vont interpréter ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Question. Est-ce qu'il n'y a pas de prophète noir? Ils disent oui, il y a le prophète noir. Dieu a envoyé le prophète noir. Ok, Mohamed, c'était quoi? C'était un prophète noir. Oui, c'était un prophète, puis c'était un messager. Donc, c'était lui qui était de Dieu. Non, il n'était pas Dieu, c'était seulement un prophète, comme tant d'autres. Mais elle est prophète noir, là. Pourquoi vous ne connaissez pas ce prophète noir? Pourquoi vous ne partez pas faire les pèlerinages où ces prophètes noirs sont morts? Allez-y, faire les pèlerinages pour les Samori Touré en haut. Pourquoi vous ne dites pas Samori Touré, Wassala, allez, Wassala? C'est toujours Mohamed Soulala et Mamadou Soulala.
Ok, je vais lire la version en français. Voilà, comme beaucoup disent, ton anglais et tout ça là, on va lire ça en français. Qu'est-ce qui a provoqué la malédiction? Bon, qu'est-ce qui a provoqué la malédiction? D'après 2, 9, 5, verset à 21, la malédiction s'est abattue sur les Lamanites à cause de leur iniquité. Et parce qu'il s'était endurci le cœur contre le Seigneur depuis la chute d'Adam, la malédiction, non, la méchanceté a eu pour résultat de retrancher les hommes de la présence du Seigneur. Vois 1 Néphi 2, verset à 21, 2 Néphi 4, verset à 40, à 4 et 9 à 6, à la Allemand 9, 13 était 10, 11. Tu vois, donc d'abord, là, dans la bon, on va lire maintenant la marque de la peau noire. Parce qu'ils ont mis ça, on dit pourquoi l'être humain est devenu noir. Ouais. Donc, je vais prendre ça, on va lire un peu. On dit pourquoi la marque de la peau sombre a-t-elle été mise sur la manite? La peau noire, ça veut dire la peau sombre, ça veut dire l'homme noir. On dit que c'était une marque ou un signe spécifique pour un ensemble de circonstances bien déterminées. Nephi explique enfin qu'ils ne fussent pas séduisants pour mon peuple. Le Seigneur Dieu fit venir sur eux une peau sombre de Nephi 5 à 21. Alma donne une explication semblable. La peau des Lamanites était sombre. Afin que le Seigneur Dieu pût ainsi préserver son peuple, afin qu'il ne se mélangeasse pas et ne cruse pas en des traditions incorrectes. Allemand 3, 6 à 8. Ces explications sont en accord avec d'autres avertissements scripturaires selon lesquels le peuple du Seigneur ne doit pas se marier avec des incroyants parce que cela conduit souvent les justes à se détourner du Seigneur. Voix Deutéronome 7, 2, 4, 1 Roi 11, 4, 2 Corinthiens 6, 14. Donc, il y a des références aussi dans la Bible où on dit Dieu a maudit les Noirs et que les Noirs ne doivent pas se mélanger avec le peuple de Dieu qui est lui blanc. Ça même chez les Arabes, quand ils se mélangent avec les... Ça aussi, c'est dans le Coran. Hein. Chez les Arabes, là-bas, quand ils se mélangent avec les Noirs, ils disent c'est les épus. Que ça, ça, tu vas avoir des enfants bizarres. Même il y a des blancs qui pensent comme ça, en fait. Parce que. Ouais. Donc, vous comprenez. Avec ton gros nez, là, c'est toi qui vas t'asseoir là-bas pour dire que le Dieu d'Abraham t'aime. Bon, comme ils ne connaissent pas neuf filles, je vais leur donner le verset dans la Bible. Donc, voilà où la Bible parle de la peau noire, où Dieu a maudit les noirs, et que le peuple noir ne doit pas se mélanger au peuple blanc, parce que c'est la malédiction de Dieu. Il lit seulement où on dit, il faut envoyer ça. Il faut donner 10% et puis tu vas avoir bénédiction. C'est ça, les pasteurs là lisent seulement. Ils croient que c'est ça. Mais les pasteurs ne lisent jamais ces versets-là. Et comme l'Africain gros ne sait pas lire, ou qu'il n'aime pas lire, lui ne va pas aller se voir pour se cultiver, pour dire pourquoi je crois à ça, qu'est-ce qu'on a écrit dedans. C'est ce que son pasteur lui dit, il va écouter, alors qu'il ne sait pas que, ou bien ce qu'il voit dans la télé, dans les médias, alors qu'il ne sait pas que Médaïa, qui était dans l'Antiquité grecque, c'était la reine de la communication, du contrôle. C'est comme ça que. C'est comme ça qu'on contrôle la tête des gens. Oui. Mais je vais leur donner la version biblique. Donc, regardez sur les Facebook de l'Afrique, sur les Face Magazine, les Abidjanet, c'est que les intéresse là. Oh, la femme de mariage de Molière, là, elle a porté un petit jaune. Le Gabonais, Zonzi, là, il citait les Ivoiriens, ça n'a pas qui peut vous le tuer. Ce qui les intéresse, c'est que le programme français qu'ils vont faire pour les écoles en France. Oh, on parle maintenant de sexe dans les écoles. On dit à tout le monde s'incline. On dit mon kiki. Ça, c'est toi le négro qui en Afrique, qui n'arrive même pas à te soigner. C'est l'école de petits blancs qui sont à Paris, là, qui t'intéressent sur le Facebook ivoirien. Mais tu n'as jamais mis photo de non. Pourquoi est-ce que les présidents se soignent en Europe? Tu n'as jamais mis photo pour dire non, on a besoin de vraies écoles. C'est qui toi t'intéresse là, c'est Jésus. Comment tu vas faire pour te battre avec tes frères? Parce que lui, il dit que Jésus n'est pas un Dieu. Tu veux le tuer alors que tu n'arrives pas à te soigner. Pourquoi Jésus ne veut pas te soigner en Afrique là-bas? Oui, donc. Allô? Au lieu de t'intéresser à ce que tu veux, toi, c'est les enfants de ces pays en France ont commencé à étudier le sexe. Les enfants, mais tu es malade, toi, tes enfants n'arrivent même pas à se soigner. Toi, c'est enfant des pays qui disent. Allô? Mais l'Africain
mérite son leader. C'est pour ça qu'on les maquette, c'est pour ça qu'ils ont des présidents comme Kabila qui les frappent de gagner les deux, c'est pour ça qu'ils ont des présidents comme Biya qui est là jusqu'à 90, hein, 93 ans, hein. C'est pour ça qu'ils ont des présidents comme Bato Lorraine qui le fouillent et qui le disent des panafricains, c'est pour ça qu'ils ont des présidents comme Bédier qui veut toujours se présenter, c'est pour ça qu'ils ont des vieux là, parce que l'Africain mérite son leader. Ce qui est intéressant de parler, on veut vous ouvrir les yeux, vous refusez de vous ouvrir les yeux, vous voulez toujours rester dans cette connerie d'aliénation et c'est vous qui vous plaignez, la France, la France. C'est la France qui t'a dit de quoi, ok, maître, Samy. Allô, votre dernier mot? Mais mon dernier mot, je voulais dire, ouvrir les yeux, de prendre cette Bible avec les secours, là, brûlez-les tous. Moi, si dès que j'arrive à l'Assemblée nationale, je fais passer une voix, moi. Si la loi est votée, toi, on t'attrape en Afrique là-bas avec une Bible dans ta main, on te fout le livre. Si tu veux avoir ça, il faut avoir ça dans ta maison là-bas, c'est illégal. Garde ça chez toi, mais tu peux pas sortir dans la rue. Si on te voit ça, on te prend, on te fout au nif. Ok. Voilà. Merci, maître Samy. Donc, votre Bible que vous lisez est claire. Et ils ont donné les références bibliques. Je vais vous communiquer ça. Et ceux qui ont la Bible en main, ils vont regarder là-dedans. Parce que votre Bible dit les blancs n'ont pas le droit de se mélanger aux noirs. Parce que les noirs sont maudits. Et donc, c'est une malédiction pour les noirs. Et donc, un blanc qui se mélange avec un noir est une malédiction. Donc, ne soyez pas étonnés quand il y a, quand vous, les noirs partent quelque part et puis on les marginalise, on les humilie, on les traite comme des gens qui ne sont pas des humains. Et quand on dit, nous sommes même chose, non, 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 eux chez eux, là, on n'est pas même chose, hein. Parce que c'est eux qui ont écrit leur document pour dire, on a été, hein, on a été maudit par Dieu. Voilà les références bibliques. Prenez ça et lisez dans votre Bible. Demandez à vos pasteurs et à vos prêtres que ça veut dire quoi. Alors, prenez Deutéronome. Deutéronome, chapitre 7, verset 2 à 4. 1 Roi, chapitre 11, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ça explique pourquoi Dieu a maudit les noirs et pourquoi le noir ne doit pas se mélanger à l'homme blanc. Puisque l'homme noir est égal à malédiction, blanc est égal à sainteté. Voilà, c'est tellement clair. Votre Bible vous dénigre. Et c'est vous qui voulez vous accrocher à votre Jésus. Sachant bel et bien, on dit votre Jésus vous a maudit. Il vous a maudit. Il s'en fout de vous. Alors, pourquoi tu es là, 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 là. Je ne savais pas, c'est Samy. Donc, merci encore à Samy de nous avoir aidés à comprendre votre soi-disant cette Bible. Voilà, les faits sont clairs. Hein? On vous maudit, mais quand même, vous vous accrochez. Vous accrochez. Non, Jésus, Jésus, il dit, il n'est pas ton Seigneur. Il dit, tu es son ennemi. Tu es un démon pour lui. Lui, il te combat. Il dit, toi, tu es trop têtu. Donc, lui, il t'a maudit. Et que tu étais blanc avant, mais comme il t'a maudit, tu es devenu noir. Maintenant, tu as peur, pourquoi? Pendant ce temps, les scientifiques font la découverte, ils font l'inverse. Sachant bien que tout le monde était noir à la base. Le climat a changé. Et en Angleterre, ils ont découvert leurs ancêtres. Sachant bien, scientifiquement, ils ont conclu que les Anglais étaient des noirs. Mais non, votre Bible dit, tout le monde était blanc. Et Dieu a maudit une partie qui est devenue noire. Et l'autre partie est devenue blanche. Donc la partie blanche est purifiée. Et n'a pas le droit de s'associer au truc au noir. Voilà pourquoi le pape avait donné l'ordre d'aller maltraiter les noirs. Aller esclavagiser les noirs. Puisque dans leur tête, dans leur cerveau, ils se sont dit, bon, Dieu a maudit ce peuple. Ce peuple est l'ennemi de Dieu. Pourquoi ne pas utiliser ce peuple pour travailler pour nous? Puisque c'est nos esclaves. Nous sommes le maître. Ils nous ont esclaves. Et jusqu'à présent, ça continue. Et toi, tu t'accroches à ça. Mon Dieu, mon Jésus, quel est ton Jésus? Jésus est ton ennemi, mon frère. Ma soeur, Jésus n'est pas ton Dieu. C'est un bandit pour toi. Jésus est un démon, un Dieu qui maudit, qui est incapable de changer le cœur de quelqu'un. Sachant bien qu'il est omniprésent, omnipotent. Et c'est ce Dieu-là qui dit, il me résiste, ce peuple me résiste. Pourquoi je n'arrive pas à changer ce peuple? Je maudis ce peuple. Depuis quand? C'est comme si un bébé écrivait quoi. La Bible, c'est comme un enfant écrivait. Un Dieu qui se dit Dieu, qui est tout puissant, qui se plaît pour dire pourquoi ce peuple ne veut pas m'obéir, pourquoi il résiste. Donc, et je maudis ce peuple, ce n'est pas un Dieu. Ça devient dès à présent un voyou.
Donc, vous comprenez, ça fait du vrai n'importe quoi. Regarde, j'ai regardé. Oui, allô? Oui, bonsoir, j'aimerais intervenir. Oui, bonsoir, madame, nous vous écoutons. D'accord, j'appelle par rapport à le sujet de ce soir. Oui. Voilà. Il n'y a pas une trace pour les Noirs. Ils doivent comprendre que les Arabes, ont créé leur histoire. Oui. Et où est la place du Noir? Où est la place du Noir? Oui. Parce que quand je vois des musulmans, on dit que les Arabes, ça me fait... J'arrive pas à comprendre. Je vois des Arabes... Allô? Comment ça? Oui, vous m'entendez? Ah, ça coupe. Allô? Oui, on vous écoute. Ah d'accord, excusez-moi. Sachant que les ont esclavagisé pendant 400, je ne sais pas combien d'années, les Noirs, ils les ont castrés pour les rendre en esclavage et se soumettre à cette religion. Parce que l'islam, ça veut dire la soumission. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. D'accord, ok. Et les Africains, là, ils sont qu'à arrêter. Parce qu'ils ne font pas le paradis dans le livre. Ce sont des blancs, créent leur... Il n'y a pas de place pour les Africains. Et les musulmans sont en train de menacer pour dire oui, t'es bien. Mais les grands perdus, c'est... Parce qu'ils ne connaissent pas lui. Ils ne connaissent même pas leur culte. Les chrétiens, c'est pareil. Les pasteurs, vous allez dans l'église en train d'enrichir le pasteur. Et ils font beaucoup d'enfants parce que les pasteurs, ils font beaucoup d'enfants. Parce qu'ils savent que leur église est grande. Donc, leurs yeux, au 21e siècle, hein, ils n'ont qu'à ouvrir leurs yeux, qu'ils ne vont jamais trouver. Dans la Bible et dans le Coran. Parce que les musulmans, ils ne connaissent pas le Coran. Oui. Parce que s'ils connaissaient le Coran, Mohamed, avant que l'ange Gabriel n'arrive, Mohamed, il adorait qui? C'était quoi la croyance? C'est comment la religion musulmane est mise en place? Mohamed. Ça, allô, si, est-ce que vous pouvez changer de réseau parce que ça coupe, ça bug, donc on ne vous entend pas bien. D'accord, je vais essayer. Là, vous m'entendez là? On vous écoute. Allô? Oui, allô? J'aimerais se poser la question à un musulman. Avant que l'islam ne soit mis en place, tes croyances de mots. Allô, bon, après rappeler, si possible, de. Okay. Appeler. Oui, ça coupe, ça bug. Dommage, ça bug, on ne comprend pas bien. Et voilà. Donc, ça coupe, on était obligé de couper. Donc, votre Bible, je pense que votre Bible est claire. Attendez, je vais chercher le passage pour lire ça. Hein? 1 Corinthiens. 1. Parce que les Noirs, ils vont pas prendre le temps pour lire. 1 Corinthiens. Oh, 1. Corinthiens. 1 Corinthiens 11 à 14. N'est-ce pas? On va lire. 1 Corinthiens 11. Ok. Louis second Bible. J'espère que les gens lisent Louis second la Bible. On dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Non. On dit, un homme qui porte des longs cheveux, est une... Mais votre Jésus là, il a des longs cheveux. Vous voyez que votre Bible là, hein? Et le film qui vous a montré, on dit, votre Jésus avait des longs cheveux. Et ceux qui le suivaient là, ils avaient des longs cheveux. Or, votre Bible dit... C'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Quelles sont ces contradictions-là? Quand on décrit vos prophètes, ils ont les longs cheveux.
Et votre Bible condamne encore ceux qui portent les longs cheveux. Mais il y a une contradiction grossière. Maintenant, personne ne lit ça. Personne ne s'en rend compte. Vous savez, quand quelque chose est biaisé, quand l'être humain prépare un truc, il y a toujours quelque chose qui doit aussi interpeller l'autre être humain. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Donc, eux-mêmes, ce qu'ils ont dit, ils partent contre ça. Les prophètes à qui ils ont décrit, ils avaient les longs cheveux, ils ont même tourné un film où les cheveux tombaient même sur les fesses de certains prophètes. Or, votre même Bible dit, c'est une honte de voir un homme avoir les longs cheveux. Mais lisez quand même. La Bible, c'est du Samy va couper. Matin Bible, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas que si l'homme mourit sa chevelure, celui est dû déshonneur. Voilà. Donc, votre Jésus a les longs cheveux. King James Bible does not even nature itself take your that if a man have long hair, it is a shame and to him. Votre Bible vous le dit. Donc, vous comprenez que votre Jésus a les longs cheveux. Donc, Jésus même, il ne respectait pas la Bible. Quel est ce Dieu voyou qui dit une chose et qui fait le contraire? Quel est ce Dieu qui dit une chose et qui fait le contraire avec tous ses compagnons? Ils avaient les longs cheveux. Oh, lui-même, il dit non, c'est une honte de voir un homme avoir des longs cheveux. Et c'est vraiment, c'est de la comédie, quoi. C'est de la comédie. Quand on voit vos Bibles, on voit vos Corans, et il y a des choses dans le Coran qu'on dit, faut pas, ils vont faire, mais que leur prophète même a fait. Vous comprenez? C'est des gens, des prophètes qui se disent, Dieu leur parlait. Ils font n'importe quoi. Et ils font croire aux gens, non, c'est que je vous dis, faites ça, mais ce que je fais, ne faites pas. Quels sont ces trucs, ces contradictions? Parce qu'ils savent qu'ils vont nous maltraiter. Non, eux, ils nous demandent d'accepter ce qui est mauvais, tous les maux du monde. Et maintenant, eux, là, ils vont faire le désordre. Pourquoi? Nous, on n'a qu'à accepter les maux du monde. Maintenant, eux, là, ils vont s'arranger, ils vont... Vraiment. On va accepter le mal. Et eux, ils vont nous faire le mal. Ça fait pitié. Situation des Noirs dans le mormonisme. A-t-il question d'Africains ou de Noirs dans la Bible? Entendez. Bon, 1 Corinthiens 11, 14, lit Naono un verset. Bintou Kone, toi, redonne-moi le verset. Mais le verset est déjà truc. C'est 2 Néphi 5 à 21. 2 Néphi 5 à 21 qui a expliqué que les Noirs, ils étaient tricots. Et maintenant, j'ai redonné certains versets bibliques qui confirmaient ce que 2 Néphi, chapitre 5, verset 24, comme ça. Ouais. Ce que ça disait, la Bible a confirmé ça. Ah, Cantique des Cantiques. On va essayer de lire votre Bible. Cantique. C'est Cantique, non? Cantique des Cantiques 1 à 5. 1 à 5. Attendez.
On dit lui, second Bible, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à moi de ce que je suis brune, car le soleil m'a regardé. Les enfants de ma mère se sont mis en colère contre moi. Ils m'ont mis à garder les vignes, et je n'ai point gardé la vigne qui était à moi. Voilà. Je suis noire, mais je suis agréable, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kedada. Non? Bon, je pense que on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais couper. Arrêtez de lire la Bible. C'est un roman de... Donc, non, on lit la Bible pour leur faire comprendre que leur propre Bible, c'est du mensonge. Et qu'il n'y a rien de bon là-bas. Il y a la contradiction. Il y a 500 contradictions au sein de la Bible. Prenez Genèse même. Genèse vous dit, les plantes ont été créées avant l'homme, avant l'être humain. Et cette même Genèse vous dit l'homme a été créé avant les plantes. Voilà une contradiction. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je connais, je ne sais pas si je dois vous montrer le passage, le verset qui dit « Les arbres sont plus vieux que les humains. » Et l'autre côté, on dit « Les humains sont plus vieux que les arbres. » Vraiment, votre Bible est très dangereuse. Je peux vous donner le verset et chacun... Attendez, je vais vous donner le verset. Vous allez quitter ici, vous allez... Il y a 500 contradictions dans la Bible. Je vais vous donner le premier verset qui dit « L'homme est plus vieux que les plantes, les arbres et tout. » Toutes les créatures, on dit l'homme a été créé le premier avant toutes les autres créatures. Et l'autre verset dit, les autres créatures ont été créées après l'homme a été créé. Votre Bible est très dangereuse. Et ça vous aliène. Excusez-moi, je vais... Ancien Testament. L'Ancien Testament. Sur l'ordre de qui David a effectué le dénombrement. Excusez-moi, il y avait un Judas. Qui tu as Goliath? Bon, je viens. Qui est Shana tu as? Qui Dieu créa en premier? L'homme ou les arbres? Voilà la question. Qui Dieu créa le premier? Voilà la question. Qui Dieu créa? Vous savez? Qui Dieu créa le premier? Voilà la question. Vous voyez? Qui Dieu créa le premier? Maintenant, je vais vous donner les passages qui contredisent votre Bible. Où Dieu, votre Bible dit, Dieu a créé d'abord les plantes. Et le septième jour, il créa l'homme. Et cette même Bible dit, Dieu créa premier l'homme. Et après, il créa les plantes. C'est votre Bible qui l'a dit. Hein? Je n'ai rien inventé. Je vais vous donner les passages. Vous allez lire ça chez vous. Et vous allez comprendre que votre Bible ment. Et que ce sont les humains qui se sont trompés. Qui Dieu créa en premier, l'homme ou les arbres? Selon ces deux passages de Genèse, vous allez comprendre que votre Bible... C'est un instrument de mensonge fabriqué par l'être humain pour essayer de coloniser certains peuples de la terre. Donc, on va Genèse chapitre 1, verset 9 à 13. Et de Genèse chapitre 1, verset 24 à 31. Là, ces deux passages confirment que l'homme, Dieu créa d'abord des arbres. Vous comprenez? Ce que j'ai donné là, ces passages disent que Dieu... a créé d'abord les arbres.
Maintenant, je vais vous donner un autre passage de la Genèse, de la même Genèse, qui va confirmer que Dieu a créé d'abord l'homme avant de créer les arbres. Vraiment n'importe quoi. Genèse, prenez Genèse, chapitre 2, 4 à 9. Prenez Genèse, chapitre 2, 4 à 9. Dieu créa d'abord l'homme avant les arbres. Donc, voici les différents chapitres qui prouvent que votre Bible ment. Là-bas, c'est la même Genèse. Hein? On dit Dieu a créé d'abord les arbres et le septième jour, il a créé l'homme. Ici, on dit Dieu créa d'abord l'homme. Et ensuite, il créa maintenant les arbres. Voilà, c'est votre Bible qui le dit. Et je peux vous donner même des contradictions de la Bible qui disent le contraire. Attendez. Je vais vous donner. Même votre histoire de Goliath, là. Qui tu as Goliath? Là, il y a un débat aussi. Qui a tué Goliath? Votre Bible ment encore. Je vais vous donner deux passages qui disent le contraire. L'autre dit, Goliath, qui tu as Goliath? Selon 1 Samuel 17, 23 à 50. Tandis que, selon 1 Samuel 17, 23 à 50. On dit, qui tu as Goliath? On dit David. Là, on dit David a tué Goliath. Il va vous donner un autre passage où ce n'est pas David qui a tué Goliath, mais c'est un autre qui a tué Goliath. Votre Bible. Il va vous donner un autre passage. 2 Samuel 21 à 19. Elchana. Maintenant, là, ce n'est plus David. Hein. C'est Elchana qui a tué maintenant Goliath. Vous voyez, votre Bible ment. Je vais vous donner encore un autre passage qui dit le contraire. Écoutez, prenez vos Bibles et lisez là-dedans. Vous allez voir les contrats. Il y a 500 contradictions dans la Bible. Qui tua Saoul? D'après vous, qui tua Saoul? Selon 1 Samuel 31 à 4, Saoul se tua lui-même en se jetant sur son épée, n'est-ce pas? On dit Saoul s'est tué lui-même en se jetant sur son épée. Donc 1 Samuel 31 à 4. Bon, nous allons lire, nous allons vous montrer un autre passage qui va dire Saoul ne s'est pas tué lui-même et que c'est quelqu'un qui l'a tué. Vous comprenez? N'importe quoi, cette Bible de merde. Par contre, selon 2 Samuel 1, hein, verset 6 à 10, Saoul fut tué par un Allemand, le site. Vous comprenez? Prenez votre Bible, lisez. Vous allez voir les contradictions de la Bible. C'est du mensonge. Il y a 500 ans, il y a tout. Tout ce que la Bible dit qui est le contraire, j'ai tout ici, tout ça, ça contredit la Bible. Et quand tu prends ça, tu lis, tu prends ta Bible, quelle que soit la Bible que tu as à la maison, tu prends, tu vas voir les contradictions là-dedans. Ça va te mélanger la tête, tu vas dire, mais est-ce que ceux-là, ils n'ont pas menti? Il faut faire des recherches. Vous ne faites pas des recherches, vous suivez bêtement. À quoi ils sont ça là? Je dis, tant que je suis là, leur christianisme, on aura affaire à ça. Et on va dénoncer ça. Même Jésus, après avoir été baptisé, il est parti où? Hein? On dit il est parti où? On dit Jésus transforma l'eau en vin. Quel est le nombre de... Bon, je vais prendre... Quel est le nombre? Non? Attendez, je vais vous donner des passages. Vous allez lire ça à la maison. Je vais vous donner les passages. Vous allez comprendre. Bon, si je dis qui est le père de la mère du roi Abiga, bon ça, quel est le nom de la mère du roi Abiga? Les quatre évangiles. Qui est le père de Joseph? Jésus est descendu de quel fils de David? Bon. Qui est le père d'Ozias? Qui est le père de Salem? Excusez-moi, je vais vous donner des passages. J'aimerais prendre quand Jésus a été baptisé, où se dirigeait-il? Il s'est dirigé où? C'est ça, je vais vous confondre. Hein? La Bible va vous confondre. Je vais vous montrer ce passage-là, comme ça vous allez bien lire. Parce que d'autres disent, Jésus
quand il a été baptisé, il allait faire un miracle de vin. Or, pourtant, il y a un passage qui dit, quand il a été baptisé, automatiquement, il est parti dans le désert, où il a fait 40 jours, 40 nuits. Où il a été tenté par le diable. Maintenant, il y a un autre passage. Dans le même temps, on dit, après son baptême, il allait faire un miracle hein, pour donner le vin. Et c'est, ça a été son premier miracle. Où il a transformé, je ne sais pas, l'eau en vin. Et les gens ont bu. Je vais vous montrer le passage. C'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Est-ce que... Il n'y a plus de débat téléphonique. Si vous pouvez appeler directement hein, sur où vous commentez là. Ah, il y a des gens qui ont voulu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont voulu intervenir. Mais s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous pouvez en bas là. Ou bien si vous voulez que je vous appelle, faites-moi signe. Dites-moi que vous voulez appeler. Comme ça, moi-même, je vais vous appeler directement comme ça en vidéo. Et vous allez intervenir. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, qu'il intervienne. Mais je vais vous montrer un passage qui est très important. Et on dit Dieu se repent-il? Est-ce que Dieu là, il se repent? D'après votre Bible, est-ce que Dieu se repent? Parce que vous, il y a des gens qui disent Dieu ne se repent pas. Dieu il est juste. Votre Bible dit votre Dieu se repent. Et un autre côté il dit Dieu ne se repent pas. Je vais vous lire un passage. On dit 1 Samuel. Chapitre 15, versets 10 à 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saoul pour roi. » C'est votre Dieu, il dit, il se repent. Vous trouvez ça normal, Dieu qui se repent, qui fait une erreur. C'est, se repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans le faux. Donc, tu prends conscience que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Donc, tu demandes pardon à Dieu pour revenir sur le droit chemin. Donc, on dit, votre Dieu, là, il se repent. 1 Samuel, chapitre 15, versets 10 à 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il ne me serve point. » Mes paroles, Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Donc Dieu se repent d'après votre Bible. Je n'ai rien dit. Et on va vous montrer un autre passage qui dit Dieu ne se repent jamais. Par contre, l'autre passage, non, selon 1 Samuel chapitre 15, verset 29. 1 Samuel chapitre 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Voilà votre Dieu là qui dit ça. Ça tout ça, ça est dans la Bible. On dit Dieu ne se repent pas. Là-bas, il se repent. Et ici, il dit, il n'est pas un homme. Il est juste, c'est un Dieu, il ne se repent jamais. Or là-bas, il dit, il se repent et qu'il a fait une erreur d'avoir rétabli Saoul comme roi. Vous comprenez? Il n'est pas parfait. Voilà votre Dieu. Prenez, je ne suis pas là. Je n'invente rien. Prenez votre Bible, regardez là-dedans. Est-ce que vos pasteurs vous expliquent ça? Quand on vous dénonce, on dénonce ça pour dire ça, c'est du faux. Parce que quand l'être humain écrit quelque chose, il fait toujours des erreurs. Il ment. Et donc, il y a toujours un être humain qui va venir le démentir. On va encore vous donner des passages. J'ai 500 contradictions de la Bible avec moi ici. Donc, tout ce qui se trouve dans la Bible, les contradictions de la Bible, j'ai tout mentionné, j'ai fait un truc, ça. Tout ça, ce sont les contradictions de la Bible. Tout est rempli. Où Dieu se contredit, il dit ça, et demain il dit un autre truc. Il dit ça aujourd'hui, il dit une autre chose demain. Il ment. Un Dieu qui ment. Omnisavant et omnipotent. Les pasteurs ne lisent jamais ces versets-là. Mais ils ne lisent pas, mon frère. Ça, mon frère. Je vais vous montrer un autre verset. Je vais vous lire un autre verset.
Bon, on dit Jésus est né au temps de quel roi? Ça, c'est une question aussi. Ça, c'est des contradictions dans les quatre évangiles. Les évangiles. Donc, Jésus est né au temps de quel roi? D'après vous, ce que vos pasteurs vous disent à la maîtrise, vous dites, hein? Ils vous disent quoi là? Ils vous disent quoi? Je ne sais pas. Ce que vos pasteurs vous disent, je ne sais pas, dans les églises, ils vous disent n'importe quoi et tout ça. Jésus est né au temps de quel roi? D'après Matthieu, chapitre 2 à 1. Matthieu, chapitre 2 à 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voilà ce que ce passage dit. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Donc, on dit qu'il est né à Bethléem au temps en Judée, Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Ça, c'est le premier passage de la Bible qui le dit. Je vais maintenant vous lire un autre passage qui dit que Jésus n'est pas né au temps du roi Hérode et qu'il est né au temps d'un autre roi. Des menteurs comme ça. Selon Luc chapitre 2, verset 2, Luc chapitre 2, verset 2, ce premier recensement a eu lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Donc, il est né pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. La Syrie que, où il y a la guerre. Donc, c'est là que Jésus est né. Il n'est pas né au temps du roi Hérode, mais il est né pendant que... Parce que c'est après le règne de Quirinus que Hérode est devenu roi. Vous comprenez? Donc, après... Donc, la même Syrie, là. C'est là-bas il y avait ce roi-là, c'est là-bas il y avait le gouverneur. Après le passage du gouverneur, c'est là le roi est venu. Maintenant, il peut pas naître pendant que le gouverneur régnait et en même temps le roi régnait, puisque chacun a eu son temps. Vous comprenez? Il y a eu d'abord le règne de telle personne. Après, le règne de telle personne est arrivé. Les deux n'ont pas régné au même moment. Vous comprenez? Donc, voilà ce que votre Bible vous dit. À partir d'aujourd'hui, je suis bouddhiste. Bintou Kone. Donc, je vais vous encore montrer un autre passage. Excusez-moi si je prends le temps, mais j'aimerais que les chrétiens lisent un peu la Bible pour voir les contradictions de la Bible. Le mensonge. Si votre livre qui doit vous guider hein, sur le droit chemin ment déjà, c'est que vous là, vous êtes perdu. Parce que vous êtes censé de suivre votre livre qui, lui, ne ment jamais, qui est parfait. Parce que ce sont des paroles saintes, les paroles qui ne se contredisent jamais, qui sont là-dedans. Donc, c'est votre guide. Le livre est le guide des chrétiens et chrétiennes. Maintenant, si ce livre, lui aussi, il ment, mais les chrétiens, ils sont quoi? Mais eux-mêmes, ils sont perdus. Voilà pourquoi on vous dit, ne suivez pas ça, c'est du mensonge. Qui a annoncé la naissance de votre Jésus? Qui sont les... Non, tout ça, ça y est là. Qui est le père de Joseph, Marie de Marie? On dit qui est le père de Joseph, Marie de Marie. Ok, on va lire la Bible. Le père de Joseph, là, le mari de votre mère, la mère de Jésus, là, son époux, qui était son père. On va lire la Bible. C'est ce que la Bible va nous dire. On dit Jacob, selon Matthieu, chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Donc, on dit Jacob a engendré Joseph. D'après votre Bible, je donne les références. Matthieu, chapitre 1, verset 16. Matthieu, chapitre 1, verset 16. On dit Jacob a accouché Joseph, l'époux de la mère de Jésus. On dit c'est Jacob qui a accouché son papa, son époux plutôt. Donc Joseph a pour père Jacob. Lisons encore un autre passage qui va donner. Hein, Joseph va avoir maintenant deux papas différents. Selon Luc, chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie.
Mais on dit là, Jésus était fils d'Élie. Il n'était pas. On le croyait fils de Joseph, mais il n'était pas fils de Joseph, il était le fils d'Élie. Comment vous pouvez nous dire? Comment, qu'est-ce que vous pouvez dire suite à ça? On dit qu'il n'était pas fils de Joseph. On croyait qu'il était fils de Joseph, mais en réalité, il était le fils d'Élie. On l'a, ça confirme le premier truc qu'on a lu. On dit qu'il est le fils de Jacob. Non, on dit, ah voilà, on dit Jésus avait environ 30 ans. Lorsqu'il commença son ministère étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Donc là, on voulait dire, Joseph était le fils d'Élie. C'est-à-dire l'époux hein, de la mère de Jésus avait pour père Élie. Et là-bas, on nous dit qu'il avait pour père Jacob. Vous m'avez appelé sur WhatsApp? Ah bon? Mais... Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Bien, mon truc est déconnecté. Excusez-moi. Je vais encore lire un autre. On dit Jésus est né dans quel endroit? Donc je m'adresse aux chrétiens. Vous qui êtes très chrétiens et chrétiennes, Jésus est né où? Dans quel endroit? Voilà la Bible, ce que la Bible dit. Les contradictions de la Bible. Jésus est né dans quel endroit? D'après les chrétiens, on dit Jésus est né, il est né. Il est né où? On dit non, il était né quelque part. Il était le fils du temps. On va lire maintenant la Bible, ce que la Bible vous dit et ce qu'elle contredit elle-même. Donc, Jésus est né dans quel endroit? Dans une maison, selon Matthieu, chapitre 2, verset 11. Matthieu, chapitre 2, verset 11. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor. Et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bon, on va maintenant passer à un autre passage. Donc, selon Luc, chapitre 2 à 16, il y allait en hâte et il trouvait Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Donc, là-bas, il est né dans une crèche. Et là-bas, il est né dans une maison. Donc, vous comprenez les contradictions de votre Bible. J'ai donné les références. Donc, par qui ont-ils été informés quand Jésus est né là? Qui a informé les gens que Jésus est né? Par qui ils ont été informés? Est-ce que par une étoile? Est-ce que par un ange? On va lire là, la Bible, ce que la Bible vous dit. Parce qu'on ne peut pas adorer. Lire des âneries, des mensonges pour penser que c'est la vérité absolue. Des contradictions. Un homme qui se dédie n'est pas un homme crédible. Tu vas devant un juge. Tu dis ça aujourd'hui. Demain, tu dis ça, mais on te condamne. Tu n'es pas crédible. Tu mens. On te fout en tôle. Ah oui, il faut être honnête. Ce que tu as dit aujourd'hui, il faut répéter ça demain. Donc, par qui ont-ils été informés? Selon Matthieu chapitre 2, verset 2. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, selon Matthieu, chapitre 2, verset 2, ils ont vu son étoile en Orient. Donc, ils savent qu'il est né. Ils sont venus l'adorer. Donc, ils ont été informés par une étoile. Bon, selon Luc, Luc, chapitre 2, verset 9. Luc, chapitre 2, verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur.
Donc, ils ont été informés par un ange du Seigneur qui est apparu pour aller les informer que Jésus est né. Or, là-bas, l'autre truc, ils disent non, ils ont vu une étoile qui a filé. Donc, ils ont vu son étoile, ils ont su que Jésus était né. Donc, ils sont venus l'adorer. Et les autres, ils disent non. L'autre passage dit non, ce n'est pas une étoile, que c'est un ange qui est apparu, qui est venu les informer que Jésus est né. Comment vous pouvez. Cette Bible, prend les gens pour des ânes. Chaque président français est obligé d'aller en bas de. Salut mon frère, Lapson, Nabila. Bonsoir mon frère. Bon, je vais vous. Là, les parents de l'enfant Jésus se déplaçaient pour quelle destination? Vous qui lisez la Bible, quand les parents de Jésus se déplaçaient, ils se déplaçaient pour quelle destination? Ils sont allés où? Bon, selon Matthieu chapitre 2, versets 13 à 14. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère fut en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retirera en Égypte. Donc, vous qui accusez les pharaons, on dit Jésus là, il allait se réfugier en Égypte. Il n'est pas parti là-bas quand les pharaons n'étaient pas là-bas. On dit on voulait le tuer là-bas. Donc, ils étaient obligés de fuir pour aller chez les pharaons, chez les Égyptiens, pour rester là-bas. Pour ne pas que les gens y tuent Jésus, le petit Jésus. Car il y avait des gens qui le cherchaient à le nuire. Donc, ils ne peuvent pas, ces mêmes-là ne peuvent pas encore venir. Puisqu'ils ont dit, que les pharaons voulaient tuer hein, les Abraham et tout ça. Et que Abraham, je ne sais pas, les Moïse. Moïse a fait un miracle pour couper l'eau en deux. Pour faire fuir les Juifs qui étaient en Égypte. Et qu'il y avait eu la guerre entre les pharaons et les juifs. Et Dieu a sauvé les juifs par le biais de Moïse. Et son bâton était devenu serpent pour avaler les autres serpents, n'est-ce pas? Et donc, les juifs et les pharaons ne se parlaient plus. Mais pourquoi votre Jésus, là, ils sont allés encore le cacher en Égypte? Puisque au moment de Moïse, au moment où il y avait la guerre entre les pharaons et les juifs, mais Jésus n'était pas encore né, hein? C'est après la mort, d'après la Bible, après la mort de Moïse, que Jésus est né. C'est après la mort de Moïse que Jésus est né. Je ne sais pas si c'est après la mort de Moïse, mais après leur départ, quand ils n'étaient plus en Égypte, c'est là que Jésus est né. Donc, ce même Jésus ne peut pas encore venir chez les pharaons pour se cacher là-bas, pour dire « cachez-moi ». Parce que les autres veulent me tuer. Pendant qu'ils sont en guerre, son peuple en guerre avec ses pharaons. Vous voyez les contradictions. Et je vais lire un autre verset qui dit qu'ils n'étaient pas partis en Égypte et qu'ils étaient partis ailleurs. C'est votre même Bible qui le dit. Et l'autre dit ça. Ils disent n'importe quoi. La débandade totale. On va lire maintenant un autre passage. Selon Luc, chapitre 2 à 4. Luc 2 à 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Donc, on dit, après la naissance du petit Jésus, ils sont partis en Judée. À Bethléem, la ville de Bethléem, vous comprenez? Donc l'autre dit ils sont partis en Égypte, l'autre dit ils sont partis à Bethléem. Et les chrétiens, côté Égypte, là, ils oublient. Ils disent non, Jésus est parti à Bethléem. Après ça, les catholiques, chaque année, ils s'en vont, ils disent oui, Bethléem, ils s'en vont danser en Judée et puis ils chantent. Mais l'autre verset là, pourquoi vous ne prenez pas ça en compte? Où on dit ils sont partis en Égypte pour se cacher là-bas? Pourquoi vous rejetez ce verset et vous prenez côté Judée, Bethléem, Judée, Bethléem? Mais lisez tout, dis ça aux fidèles. Il est parti où au juste? En Égypte ou à Bethléem ou à Judée? Dites ça aux gens. Et pourquoi la Bible contredit? Pourquoi la Bible n'est pas fiable? Pourquoi la Bible
nomme deux destinations que non, il était parti ici. Il était parti ici. Mais il est parti où? Qui dit vrai, qui dit faux? Est-ce le premier passage ou le deuxième? Et comment faire pour savoir si c'est le deuxième passage qui dit vrai ou le premier passage? Puisque les deux passages se contredisent. Donc, nous, en tant qu'humains, puisque nous ne savons pas la vérité absolue et que d'après vous, la Bible connaît la vérité absolue, la Bible ne devrait pas se dédire. La Bible devrait donner une destination unique. Mais quand elle-même, elle donne plusieurs destinations, mais nous ne savons plus quelle est la vraie destination. Maintenant, vous qui adorez Jésus-là, comment allez-vous faire pour suivre le vrai chemin? Puisque c'est votre livre qui vous éclaire. Maintenant, si votre Bible aussi dit n'importe quoi, et comment, mais comment vous allez suivre le vrai chemin? Donc, je pense qu'il est temps. Il est 01. Il est 01. Moi, je vais à chaque 11. Donc, il est 01. Voilà, j'ai trouvé le passage et c'est ça, c'est sur ça que je vais terminer. C'est très important. Je pense que si on lit ce passage, tous les chrétiens et chrétiennes vont comprendre le mensonge grossi de la Bible. Où était Jésus 3 jours après son baptême? Voilà la question que je vous pose. 3 jours après son baptême, là, Jésus est parti où? Il était où? Dans quelle ville? Dans quel endroit? Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, où était Jésus 3 jours après son baptême? Lisons maintenant les passages qui vont donner des différents endroits. D'après Marc, Marc au chapitre 1, versets 12 à 13. Immédiatement après son baptême, l'Esprit le poussa dans le désert où il passa 40 jours, où il passa 40 jours, tenté par le diable. Écoutez, hein? Marc chapitre 1. Versets 12 à 13. On dit immédiatement après son baptême. Donc, immédiatement, c'est-à-dire quand il a fini son baptême, immédiatement, il n'a même pas perdu de temps. Immédiatement, après son baptême, l'Esprit le poussa dans le désert où il passa 40 jours, tenté par le diable. Donc, après son baptême, l'Esprit l'a poussé immédiatement dans le désert. Il n'a même pas perdu de temps. Il a passé 40 jours et 40 jours. 40 jours, 40 nuits, c'est là-bas on dit qu'il a passé 40 jours, 40 nuits où il a été tenté par le diable. Maintenant, revenons sur un autre passage. Revenons sur un autre passage où ils vont vous dire que Jésus était ailleurs et qu'il n'était pas dans le désert. Donc, en lisant. On va encore approfondir. Marc chapitre 1. Verset 12 à 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages et ses anges le servaient. Vous comprenez? Les anges le servaient. Bon. Passons à un autre verset. On dit, par contre, Jean chapitre 1, verset 35. Jean chapitre 1, verset 43, Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Le lendemain du baptême, Jésus recruta deux disciples. Le second jour, se rendant en Galilée, il en recruta encore deux disciples. Et le troisième jour, il était aux noces de Cana. Donc, il n'est pas parti au désert. On dit, après son baptême, il est parti à Cana. Maintenant, lisons 1 Jean. Jean, chapitre 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Lisons encore. Jean, chapitre 1, 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Jean, chapitre 2, verset 1 à 11. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme,
qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc voilà, on dit après son baptême, il était à Cana, où il faisait des miracles. Or pourtant, l'autre verset dit, après son baptême, immédiatement, il est parti au désert, où il a fait 40 jours, 40 nuits. Donc vous voyez les contradictions de votre sainte Bible. Et ça, rien, Jésus a fait un miracle. Jésus était tricot. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Mais à quel moment il a fait 40 jours, 40 nuits? À quel moment il a fait le miracle? Jésus était-il? Ils étaient deux ou bien c'était le seul Jésus? Puisque on dit, après son baptême, immédiatement, il n'a pas perdu de temps. Immédiatement, il se rendit dans le désert où il a passé 40 jours, 40 nuits, tenté par le diable. Maintenant, là, on dit les trois jours qui ont suivi, Jésus est parti avec sa mère. Ils étaient quelque part en train de fêter, boire l'alcool. Ils transformaient truc, l'alcool en truc. Les gens buvaient. Ça a été le premier miracle de Jésus. Vous comprenez? C'est n'importe quoi. Donc, je pense que j'en ai fini. Dès qu'on regardait bien l'écriture, fin 2, c'est le pas avant d'aller. Votre lacune. La fouille. Comment ils savent ce qui s'est passé dans le désert? Si Jésus était seul, où est lui-même qui a témoigné ça? Agneau aussi prié. Voilà deux qu'on regardait bien l'écriture. Faites deux serpents avant. Ah, il est venu faire papa touya son Seigneur ou bien il y avait vidéo maintenant. Donc vous comprenez maintenant le désordre, les mensonges de la vie. Il était seul. Et puis maintenant, qui est allé là-bas pour dire, ou bien Jésus encore est venu dire ça à ses disciples, pour dire, j'ai fait 40 nuits, 40 jours, le diable m'attendait. Et qui, n'importe quoi, lui-même il fait son pro dada. Les deux mots, serpent s'écrit, pas de la même manière. Gaga, gabidou. Donc il y a bon serpent et faux serpent. Pourtant, le serpent est désigné comme le diable même incarné. Hein? Maintenant, Moïse, lui, il avait sa canne à main. Il a jeté ça, c'est devenu aussi serpent. Et sa canne a avalé les autres serpents. Donc, il utilise le serpent pour faire aussi le miracle. Et pour lui, là, son serpent était un serpent saint. Maintenant, les autres serpents étaient des serpents diaboliques. Voilà n'importe quoi. Le désordre total. Et vous voulez que les gens vous croient en ça? Ça fait mal. Il dit serpent, c'est serpent. Bon, je vous aime. Je vais essayer de couper le direct. Ne te fatigue pas, Guégué. Même si les Blancs disent les Africains ne vont pas croire, ils vont toujours adorer le Dieu et Jésus blanc. Ouais, ça c'est clair. Le noir est déjà perdu. Et c'est ça le truc. Pour ceux qui veulent savoir toutes les contradictions de la Bible, mais je peux vous donner, j'ai tout. Comment les pasteurs font pour avoir l'argent? J'ai tout ça aussi. Si moi aussi je voulais avoir l'argent, mais j'allais vous blaguer ici, hein? Commencer à dire adorons Jésus et tout ça. Les filles, elles allaient venir se confier à moi, je vais dire ma chérie, fais comme ça. Elles allaient me donner jetons. Je vais dire j'ai un truc, donnez-moi l'argent. Je ne suis pas un malhonnête. Je ne suis pas un malhonnête. Donc, je suis quelqu'un, je ne suis pas là pour mentir aux gens pour prendre leur argent. Sinon, on pouvait tous faire ceci, cela pour avoir l'argent sur les réseaux sociaux. Sachant, si tu sais parler seulement, mon frère, ton argent est clair. Il faut savoir dire que Jésus est bon, il sauve, j'ai l'huile, j'ai béni ça, j'ai prié, Dieu m'a donné le don, ma soeur amène-moi une telle somme, je vais te donner l'huile et tu mets ça sur toi, c'est fini. Tu as toutes les bénédictions du monde. Mais elles vont courir. Elles vont... donne-moi pour moi. Ma soeur, donne-moi un truc. Ton nom est... Voilà. Donne-moi ton nom. Je vais t'emmener un truc. Oui, envoie l'argent. Donne-moi ton adresse. Je vais te poster ça. J'allais avoir l'argent ici. Bon, ciao Jésus que prie les Africains est un acteur anglais. Bon, je vous aime. On va couper la vidéo parce que demain est un grand jour. On va dormir.
Voilà, on ne peut pas passer tout notre temps. Ciao, je vous aime.